retrouver sur les antennes d'Info Télévision dans le cadre de cette émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 pour parler des sujets qui font l'actualité. L'actualité au Cameroun, c'est cette dernière sortie de la Fédération Camerounaise de Football qui nous annonce dont la résiliation du contrat avec l'équipementier One All Sport. Il faut dire que c'est une nouvelle qui n'était pas très attendue. On devra donc vivre les derniers moments de One All Sport à travers les rencontres prévues avec les deux indomptables en septembre prochain. Passé ce délai, l'équipe à Samuel Etoffis devront donc trouver au Lion Indomptable du Cameroun un nouvel équipementier. Plusieurs raisons avancées pour cette décision qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On en parle ce soir. On parle également de l'étoile du Cameroun qui se porte très très mal et on est très habitué aux mauvaises nouvelles qui nous viennent du côté de Camerco. Une autre zone de turbulence à traverser par cette structure qui peine à fonctionner au Cameroun et pour cause, les pilotes cette fois annoncent un mouvement de grève. Comment comprendre qu'on passe de grève en grève, de directeur en directeur et qu'on n'a toujours pas un décollage effectif de Camerco? On se pose la question et on va chercher les réponses avec notre panel ce soir. Et bien entendu, la question de vol de bébé revient à l'ordre du jour après la dernière actualité, ce vol de bébé orchestré du côté de Koundo, mais l'enfant retrouvé plus tard. On a envie de se demander pourquoi ça devient récurrent. Depuis quelque temps au Cameroun, on vole beaucoup les enfants dans les maisons, aux alentours des domiciles, dans les écoles et dans les hôpitaux. Alors comment stopper le phénomène? C'est la troisième préoccupation de votre émission Le Grand Soir. Pour ce mercredi, je vous invite donc à vous installer confortablement, juste le temps d'une respiration. On dit bonsoir à notre panel qui nous accompagne. Le code d'accès reste et demeure lui-même. Le 6-99-13-50-75 par SMS ou par WhatsApp. Vous choisissez et puis vous réagissez. Nous, on se fera le bonheur de rendre solennel vos réactions. Je tiens à le réitérer pour les amoureux des tabloïds, peu importe où vous trouvez en ce moment géographiquement parlant. Vous pouvez bien entendu utiliser votre téléphone et nous, on se fera également le bonheur de lire vos réactions. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Jean-Colès Defosso-Ken qui est avec nous ce soir, très élégant, très assorti également. C'est comme si on avait passé la soirée à se préparer ensemble pour cette émission. Waouh, waouh, waouh. Alors là, Rosalie, quand ça vient de toi, j'imagine qu'aucune dame de cette terre ne peut dire le contraire. Bien sûr. Je suis très heureux d'être là, très content. Et tu sais, quand tu m'invites, c'est avec joie que j'arrive. Parce que d'ailleurs, les thématiques qui sont mises en débat sont d'une telle pertinence qu'il faut bien que le Cameroun puisse en profiter pour un avenir, pour un avenir glorieux. Voilà. Merci une fois de plus d'être là, président. On le rappelle, il est le président du Sinester. Il fait dans le transport, même si c'est terrestre. L'aérien n'est pas très très loin, bien sûr, de cette réalité. Jean-Claude Lendio-Kenfo, bonsoir. J'ai décidé de profiter de toi au maximum. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de faire ma réapparition. J'ai fait 5 mois de souffrance. J'étais presque mort, mais je suis le ressuscité. On dit que Jésus-Christ est mort après 3 jours, il est revenu à la vie. C'est pour dire donc qu'il y a des gens qu'on ne supprime pas facilement. Il faudrait donc profiter encore pour dire merci à mes amis qui m'ont soutenu, qui m'ont appelé. Mais j'ai un coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est quelques secondes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une interview où on a pris le ministère du sport, éducation physique, qui parlait avec aisance et justifier son échec. On ne peut pas, dans un pays normal, vous allez au JO avec 54 fédérations, avec 6 binationaux qui ne sont même pas du Cameroun, 3 encadreurs et 30 membres du cortège qui vont là-bas inutilement, et vous dépensez 1 milliard. C'est 1 milliard de dépenser pour un échec, on n'a même pas gagné une médaille. Le ministre est en train de se féliciter des avantages des uns et des autres et se féliciter des gens qui ont pu passer le cap des quarts de finale et de gagner au moins une partie. Et il faut que les gens apprennent à reconnaître leur échec
et demander pardon au public. Les 1 milliard là pouvaient arranger plusieurs rues ici à Yaoundé. Merci. Et c'est ça, parce que il faut savoir qui a pris les 1 milliard. On a donné ça aux gens. Merci. Ça aurait permis aux athlètes de se préparer et mieux aller dans ce jeu. Merci. C'est merci. De la catastrophe. Bienvenue. Merci beaucoup. Je retiens, il faut savoir demander pardon au public. Je retiens ça. Vous allez, on reviendra. Vous allez vous déshabiller tout à l'heure, s'il vous plaît. Laissez-moi d'abord. Parce que tout à l'heure, on va parler de One All Sport. Alors qu'il y a une catastrophe qui vient d'arriver, les gens vont aller chez la fin. Il y a des gens qui vont aller. Toi, continue. Attendez, il faut qu'on soit d'accord dès le début. Qu'on soit d'accord. Ça va, non, attendez, tu dis toujours, ça va, ça va. Sinon, ça va. Qu'on soit d'accord. Demain, c'est moi, Lyon, le bien, c'est non, qu'on soit d'accord. D'accord dès le début. J'ai dit à l'estomac, ne me donnez pas le faire aujourd'hui là. On suit seulement à l'introduction. Tu es à chaud jusqu'à tu veux t'envoler sur ta place. Ça va. Non, c'est, son interview m'a beaucoup. Je n'ai pas cherché dans celui que tu appelais tout à l'heure. Jacques Léon Saono. Vous êtes juriste. Il bout devant Dieu et les hommes. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a quelqu'un qui a écrit. Il dit, tu as encore invité le hibou là sur ton plateau aujourd'hui, on est mort. J'ai dit, mon Dieu, cette affaire, dès qu'on veut parler d'actualité footballistique au Cameroun, immédiatement, ces petits noms ressurgissent. Et je demande à tous les téléspectateurs, comme je demande à tous ceux qui sont sur ce plateau, on va essayer d'être conscient, clair, honnête, sans faire les problèmes de personne. D'accord. On va rester sur les sujets d'actualité. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut s'écouter. Parce que si on prend les problèmes de personne, on ne va pas évoluer. D'accord. Bonsoir, Léonce. Bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de te retrouver. Bonsoir, Rosalie. Avec une cravate rouge. Bonsoir aux copanalistes. Je dis particulièrement bonsoir, monsieur Lemdjo. Merci. Qui refait surface après beaucoup de mois de souffrance. Je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là. Merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. Et merci d'avoir accepté. Je voudrais faire une doléance à la voix de M. Lemdjo. Je voulais lui demander de respecter le temps de parole. Normalement, c'est un contrat qu'on devrait signer à l'entame de ce débat. Parce que on se connaît. Je voudrais que lui et moi, nous fassions un contrat. C'est-à-dire que chacun laisse, que chacun respecte le temps de parole de l'autre. Et comme ça, nous ferons un très beau débat. Bon, je reprends la parole. Je suis encore là. Sauf si vous voulez causer entre vous et que chacun dise à l'autre quand s'arrêter. C'est mon job. Donc rassurez-vous, je vais faire mon job. Voilà. Donc que quelqu'un fasse le contrat ou pas, je suis là pour vous fermer les bouches quand ça ne va pas. Mais ne me donnez pas trop, ne me donnez pas trop de boulot. C'est tout ce que je vous demande. Vous avez besoin de cette assurance. J'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Je suis d'humeur très très paisible ces derniers temps, donc ne me stressez pas. Alors Maï, je te retrouve ce soir, omniobiste, nationaliste, c'est ton leitmotiv. Merci d'avoir accepté encore d'être là et merci de mettre tout ce silencieux ou éteint pour qu'on puisse également être ensemble. Oui, c'est moi qui vous remercie beaucoup, Rosalie. Ça fait certainement un mois ou un peu plus que je ne suis pas passé ici. Et je suis tout scotché pour écouter tout ce qui se passe à nos émissions du Grand Soir. Donc, vous avez en moi un téléspectateur fidèle. Du coup, je sais que le pasteur Ramsès est certainement scotché à l'ombre de l'antenne, là, avec ma soque, pour me tirer dessus pour ce que je vais dire ici, là. Mais bon, je suis là. Je n'ai pas l'habitude de fuir le coup de gueule. D'accord. Bon, donc, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs qui nous regardent en Australie. Et ceux qui nous regardent au Canada, j'ai envoyé le code de l'émission aujourd'hui à un de mes cousins qui est dans l'Ontario. Mm-hmm. Il m'a dit, bon, il a retrouvé la chaîne et qu'il est scotché avec sa famille dessus. Je dis aussi bonjour à tous mes enfants, à tout le monde dans mon village. D'accord. Merci d'être là. Vous connaissez le principe, hein? Dernier salué, premier à intervenir. Si vous en avez donc convenance, on va tout de suite parler de l'Africa Foot et de One All Sport. Je l'annonçais à l'entame de cette émission. C'est officiel, signé par un communiqué paru en soirée hier, signé du secrétaire général de la Fédération Camerounaise de Football. One All Sport est désormais out, parlant d'équipement au Cameroun.
Évidemment, moi je ne suis pas surpris. Mmh. Je ne suis pas surpris qu'il y ait un tel développement. Mmh. La FECAFOOT, après de longues années de tergiversation, est en train, en plein dans une phase de structuration. Donc le secrétaire général, M. Junan, qui nous publie ce communiqué qui résilie le contrat avec Omano Sport, n'a fait que son job. Et moi, ça ne me surprend pas du tout. Parce que, pourquoi? Parce que je n'ai pas vu beaucoup de Camerounais payer le maillot de One All Sport. Un équipementier respecte son contrat en fonction des achats des équipements que les supporters de ses équipes font. Mmh. Mais les Camerounais, peut-être parce que le coût était élevé, hein, c'est pas facile de payer un maillot à 40 000 francs. Moi, j'en ai acheté à la Coupe du Monde. Bon, j'en ai acheté à ma belle-sœur, j'en ai acheté à moi-même, à mes petits-enfants. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter un maillot à 40 000 francs. Hein? Maintenant, il y a eu ce qu'on appelle la contrefaçon, hein, monsieur Lemdjo. Il y a la contrefaçon qui est entrée en jeu. Et on a des maillots contrefaits qui viennent de Dubaï, qui viennent de Turquie et tout, qui n'ont rien de commun avec les originaux de cousu en Thaïlande par One All Sport. Donc, cet équipementier a fait une très mauvaise affaire. Les Camerounais n'ont pas acheté les maillots. Il faut nous reconnaître, les Camerounais n'ont pas acheté les maillots. Si on regarde ici, bon, voilà mon camarade de lutte de Fosson, quand nous sommes ensemble depuis 30 ans, je suis certain qu'il ne connaît pas beaucoup de gens autour de lui qui ont acheté le maillot de One All Sport. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Je savais très bien que ça va être une très mauvaise affaire pour One All Sport. S'ils auraient honoré tous les engagements contractuels autour de la biomande des équipes officielles du Cameroun, ça aurait été de leur propre poche. Mais ça ne devait pas être le retour d'investissement par rapport au rendement fait sur l'achat des maillots par les supporters des équipes de Lions Indomptables. Mm. Donc voilà la situation. Je souhaite simplement que on nous, au prochain appel d'offres, hein, que l'équipementier qui va être retenu par le staff, hein, M. Lemdjo, c'est juste certain qu'il est dans ce staff-là pour choisir qui va habiller les Lions Indomptables désormais. Mm. Bon, que ces maillots soient vraiment modulé à la hauteur du porte-monnaie du Camerounais moyen. D'accord. Donc, pour vous, vous trouvez que c'était une mauvaise affaire pour l'équipementier One Sport, et que c'était voué à l'échec parce que les Camerounais n'ont pas suivi. Pas de rentrée, pas de respect de sa part de contrat, de conclusion de course. C'est logique pour vous. C'est normal. Qu'ils finissent par se séparer. Voilà. Jacques Léonce Awono, la Fédération camerounaise de football, se sépare de l'équipementier One Sport après Puma, après le club sportif. Cette fois, c'est One Sport qui va donc devoir lâcher ou bien quitter le bateau FECAFOOT. Une information qui semble au fond ne pas beaucoup émouvoir les Camerounais, comme si on s'y attendait un peu. Oui, ça n'aimait pas le Camerounais, effectivement. Les Camerounais qui sont un peu logiques, hein, ceux qui ont encore la logique, parce que vous savez... beaucoup de Camerounais ont perdu leur logique parce qu'ils sont fanatiques d'un monsieur qui, pour eux, est devenu le Seigneur Jésus-Christ, qui est la perfection totale, qui fait tout bien, qui n'échoue jamais, qui réussit partout, qui ne se trompe jamais. Et donc, ils sont allés jusqu'à imaginer que lorsque vous pensez que c'est un monsieur qui est humain et donc qui est perfectible, il vous crée des hiboux, comme vous venez de m'appeler tantôt. Mmh, mmh. Donc, les Camerounais comme moi ne pouvaient pas être surpris. Déjà dans le contexte même de la signature de ce contrat, One All Sport étonnamment est devenu un équipementier de football. Étonnamment. Ça, c'était pas encore vu dans le monde entier. Je n'avais pas encore vu une équipe nationale porter les maillots estampillés One All Sport en football. Parce que dans d'autres sports, ça se faisait. Mais dans le football, je crois que ce n'était pas encore arrivé. Donc, étonnamment, alors, One All Sport est devenu l'équipementier des Lions Indomptables. Et puis après,
On nous a présenté un monsieur qui est arrivé à Yaoundé habillé en veste de cravate. On nous a présenté que c'était le propriétaire de cette histoire. Bon, ils ont fait le tour médiatique qu'ils ont pu faire. Ils nous ont fait le ramdan médiatique qu'ils ont pu faire. Mais moi, j'étais convaincu que c'était une histoire qui n'allait pas faire long feu. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'équipementier en question, c'était pas encore vu dans le monde du football. Ah, vous avez l'impression qu'il faisait ses premiers pas dans un milieu qu'il maîtrisait pas. Justement. Alors, comment on fait donc? Comment on fait lorsqu'on s'appelle le Cameroun et que on s'appelle Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, légende? Comment on fait pour nous amener des histoires, entre guillemets, qui n'ont jamais été portées ailleurs par les équipes nationales? Comment on fait? Parce que quand même, on a de l'expérience. On a une légende, on a joué partout, on a des contacts partout dans le monde du football, on y est. C'est notre biotope là. Mais comment on fait pour nous apporter des histoires qui n'ont jamais été portées dans le monde à d'autres sélections? Comment on fait? Et pourtant, on nous fait savoir qu'on est arrivé pour changer la donne, on est arrivé pour faire des belles choses, on est arrivé pour donner au football toute sa grandeur. Comment on fait pour se tromper à ce niveau? Donc, je crois que aucun Camerounais normalement constitué ne pouvait être surpris par cet échec cuisant, parce que là c'est un échec. Lorsque ce monsieur est arrivé, il nous a trouvé encore en cours de contrat avec l'équipementier, le coq sportif. Mais il a tout fait pour botter out le coq sportif, pour nous imposer une histoire qui n'a été jamais portée dans le monde par une équipe nationale. D'accord. Donc, pour moi, c'est sans surprise, encore que même les termes de ce contrat ne nous ont jamais été présentés. On nous a fait savoir qu'il devait nous offrir tout un bus et tout ce qui va avec, mais jusque-là, vous n'avez je ne suis pas sûr qu'il y a un Camerounais qui a vu les termes de ce contrat. Encore que monsieur le président de la FECAFOOT avait été reçu dans une chaîne concurrente. Il a semblé montrer un pseudo-contrat, mais qui jusqu'ici n'a jamais été présenté. Donc, même les termes de ce contrat n'ont jamais été présentés au Camerounais. Je me demande s'il avait existé même un contrat. Donc, pour moi, c'est sans surprise, fallait s'y attendre. Nous allons de ce côté d'échec en échec. Voilà notre échec cuisant. J'ose croire que les gens qui imaginent qu'il y a un monsieur qui soit devenu le Seigneur Jésus-Christ, qui ne se trompe jamais, j'ose croire que M. Lemjo aura l'humilité de reconnaître que ce monsieur n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est un humain et donc il peut se tromper. J'espère que M. Lemjo aura l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est un monsieur qui s'est encore trompé une autre fois. D'accord. On va donc lire peut-être le communiqué de la Fédération Camerounaise de Football avant de vous donner la parole, Jean-Claude Lemdio Kemvo, afin de mieux comprendre les explications qui nous sont données par la Fédération expliquant cette résiliation de contrat. C'est donc ce communiqué presse. La Fédération Camerounaise de Football annonce à l'opinion publique nationale et internationale la résiliation de son partenariat avec l'équipementier Wenos Sport, habilleur des sélections nationales de football du Cameroun. La Fédération Camerounaise de football attache du prix à la bonne exécution des engagements contractuels librement consentis par les parties. C'est pourquoi elle a décidé de résilier ce contrat, mettant ainsi fin au partenariat avec cet équipementier. À cet effet, les sélections nationales de football du Cameroun aborderont les produits Wanosport pour la dernière fois lors des compétitions prévues au mois de septembre 2024. La Fédération Camerounaise de football va dans les brefs délais procéder à un appel d'offres visant à sélectionner un nouvel équipementier à la dimension du prestige des sélections nationales du Cameroun. C'est fait donc à Yaoundé le 6 août 2024 et signé du secrétaire général Blaise Ndjounan, secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football. Lorsqu'on écoute ce communiqué quotidien duo, on a l'impression justement que c'est un non-respect de ce que chacun devait respecter, non-respect des responsabilités de chaque partie qui aboutit à cette résiliation. Tout à fait, merci Madame Bessélé. Je voudrais déjà faire plaisir à Thomas, au docteur, pour lui dire que effectivement. Jacques Léon, le juriste. Oui, je voudrais lui faire plaisir en lui disant que, effectivement,
One All Sport était un équipementier jamais connu dans la sphère sportive, sauf dans les dans le monde du football. Mais et le Cameroun pouvait faire la part belle. Que innover, comme nous avons toujours innové au Cameroun, nous ne devons pas oublier si que le Cameroun est un formateur de viviers. Les entraîneurs qui n'ont pas de compétences viennent au Cameroun, ils en sortent étant des meilleurs entraîneurs. Nous avons tout fabriqué des produits chez nous au Cameroun. Nous, on pouvait en fabriquer avec One All Sport s'ils avaient respecté les clauses de contrat. La rupture du contrat ne voudrait pas dire qu'il y a un cas d'échec. Et dans une entreprise, quand vous n'arrivez pas à vous entendre avec une partie, il y a rupture du contrat. Ça ne devrait pas faire un sujet de commentaire. Et moi, je trouve que l'Afrique, aujourd'hui, est dans une mouvance de résiliation de contrat avec ses partenaires inutiles, budgétivores, qui viennent nous impester comme ça avec des contrats qui ne profitent pas, qui ne sont pas gagnants-gagnants. Que ce soit les États africains ou le football ou n'importe quoi, on est en train de chasser les partenaires inutiles dans nos pays. Donc ça veut dire que c'est un concessionnaire qui est venu, qui n'était pas compétent pour pouvoir habiller les lions indomptables. Mais nous, le coût du maillot était cher, il y a beaucoup d'autres choses. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que la FECAFOOT est constatée, parce que ça fait partie donc de problèmes que rien que vous et les clubs écrits à la FECAFOOT, à la FIFA, se plaignent qu'ils n'ont pas de retombées des subventions. Voilà, aujourd'hui, on sait vraiment, effectivement, que l'Afrique n'avait pas reçu cet argent. J'ai une question, Coach Nemdjo. Oui. Vous parlez tout à l'heure des équipements chers, hein, c'est ce qui est d'ailleurs prononcé par beaucoup de personnes. En signant le contrat, ils n'avaient pas le prix de revient de ce maillot après pour les Camerounais. Ils ont découvert, comme les Camerounais, que ça devait être 40 000. Bon, on a voulu, et il faut aussi savoir qui on envoie pour la négociation d'un contrat. Parce que je crois que il faut des experts dans l'Afrique Foot. Moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un peu eu de manquement. Il y a toujours des manquements partout. Parce qu'il faut aussi envoyer les vrais experts négocier un contrat. Qui a négocié? Parce que à la FECAFOOT, il y a eu beaucoup de sons, de dissonants, de sons de cloche, où chacun donnait le montant de ce contrat, tantôt 1 milliard. Même le président de la FECAFOOT a eu à se prononcer là-dessus. Mais toujours est-il dit que les montants donnés étaient différents. Thomas demande qu'on devait montrer le contrat au Jacques, public. Il n'y a pas de Thomas. Jean-Léon. Et quand pour m'arrêter ici, même corps sportif, on n'a jamais présenté les contrats au public. Donc, c'est des signatures de contrat. Un contrat, c'est inutile entre deux personnes. Mais quand il y a rupture, quand ça ne va pas, on rompt le contrat. Ça ne va pas faire effet de commentaires d'échecs. Les vrais échecs sont constatés. Non, c'est pas un échec. Jean-Léon. Okay. Parce qu'ils vont faire comme s'il y a des échecs et des échecs. Voilà les JO, il y a eu échec là-bas. Faites le commentaire sur les JO. Donc moi je pense que la FECAFOOT est en pleine restructuration, comme M. Maï l'a dit, et on veut professionnaliser le football camerounais, mais on va avoir aussi des partenaires fiables. C'est lui qui vient et qui ne peut pas répondre aux idées de la FECAFOOT, donner le bus n'est pas là, parce que on a péché par tous les moyens. Donc maintenant, je crois que ayant constaté leur échec, ils doivent on doit les poursuivre. Si la FECAFOOT a porté, sur les 2 ans passés avec notre équipe nationale, ils n'ont pas été capables de fournir. Dernièrement, vous voyez, les équipements sont payés dans les marchés à Mokolo pour habiller, les préfabriqués pour habiller les sélections. Dernièrement, on l'a vu avec l'équipe de football. Et on a prétendu que la FECAFOOT n'a pas remis les équipements. C'est parce qu'il y a un manque. On va chauffer là-bas. Et vous savez, le président de la FECAFOOT, très professionnel, ne s'agit pas trop. Il est comme le président de la République, Paul Biya, qui est l'homme tranquille, qui ne parle pas. Vous criez, lui, il continue à avancer, il cherche à professionnaliser sa structure. Je pense qu'aujourd'hui, la FECAFOOT se porte beaucoup plus bien. On devait féliciter cette décision du secrétaire général qui vient botter en touche un partenaire nuisant qui veut empiéter sur la bonne marche de notre football. D'accord. Et en plus, président, je ne vous ai pas donné la parole. On n'est pas au bar. On est sur le plateau. Quand je fais le doigt comme ça, tu parles. Quand je ramène ma main, tu parles. Président Jean Collins de Fosokin. Oui, moi. On a un sérieux souci. À peine 2 ans de collaboration, on constate, hein, c'est vrai que beaucoup de Camerounais criaient déjà au scandale avec cette affaire de One Sport, pas de bus. On se rappelle la dernière sortie des Lions où on les a baladés avec un bus de transport interurbain. On se plaignait du coût des maillots et bon, on a apprécié peut-être la beauté, hein, pour beaucoup ont apprécié, mais après l'accessibilité, c'était pas évident. Être supporter, c'était dur. Et puis tout ce qui était annoncé comme clinquant autour, on n'a pas
pas vu. Et du coup, depuis l'arrivée de One Sports, ça fait couler quand même beaucoup d'encre et de salive. On peut se dire aujourd'hui que c'était inévitable, finalement, ce divorce? Vous savez, j'ai l'impression que Eto arrivé avec le conflit, il risquera de finir dans le conflit. Dans le conflit. Ouais. Voyez-vous, d'abord, je ne suis pas juriste, mais il me semble que chaque fois que nous avons signé un contrat avec un partenaire, il y a très souvent une clause d'arrangement à l'amiable. Mm-hmm. C'est-à-dire que si d'aventure, dans le cours, n'est-ce pas, de l'implémentation de ce que nous voulons ensemble, il y a pratiquement des divergences, on s'assoit. On essaye d'abord de poser le problème, de se faire ressortir les manquements, et maintenant à charge pour celui qui est peut-être défaillant de corriger. Mais je ne crois pas avoir vu la FECAFOOT déclarer des manquements de One All Sport. Ça a été fait. Écoutez, je dis, je ne crois pas. Si ça a été fait, peut-être tu as l'information, moi je n'en ai pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis simplement surpris de voir sur la place publique que la FECAFOOT résilie son contrat avec One All Sport sans que le grand public ne sache vraiment qu'est-ce qui vraiment a été à l'origine, qu'est-ce que sont les manquements réels de One All Sport qu'il ne pouvait pas corriger. Vous comprenez? Parce que One All Sport, il me semble, tel qu'avait été présenté par ceux qui aujourd'hui les chassent pratiquement de manière vulgaire, je ne crois pas que One All Sport, c'est vraiment pour la question de maillot. Soit dans l'incapacité, n'est-ce pas, d'en trouver, ou bien d'en produire. Vous avez l'impression qu'il y a autre chose qu'on nous dit pas. C'est l'impression que j'ai. Ça va trop vite pour ne pas susciter, n'est-ce pas, des interrogations. Donc, ce que je sais, c'est que quand One Sport arrivait, on nous avait tout dit. Mais alors, en termes de publicité, l'entourage de la FECAFOOT, bien du président Eto, nous avait vraiment convaincu qu'avant One Sport, le Cameroun n'a jamais eu pareil. C'est ce qu'on nous avait dit. En termes de gain. Écoutez, mon cher, en termes de gain, si on y va, en termes de gain, sincèrement, coach Lemjo, est-ce que vous pouvez me démontrer, n'est-ce pas, qu'en termes de gain, on a eu 5 milliards là, le temps que One Sport a vécu au Cameroun, jusqu'à ce que vous avez déclaré son départ. S'il vous plaît, coach Lemjo, ce n'est pas à toi que je parle, au Camerounais qui nous écoute. Voilà, comprenez? C'est-à-dire que avant d'entrer en contrat avec quelqu'un, on se rassure que cette personne a les capacités, n'est-ce pas, pour remplir son contrat. Pour remplir son contrat. Donc on ne peut pas être à 3 ans aujourd'hui à One Sport et nous dire que pendant 3 ans, deux ans, qu'on est pratiquement à rien avec One Sport. Tout à fait. C'est quelque part, c'est le problème. C'est donc vous nous avez dit, n'est-ce pas, en grande pompe, qu'avec One Sport, on aura un bus dernier cri. Écoutez, ce bus dernier cri. Et des voitures. Coach Lemjo, ce bus dernier cri coûte combien? Je regarde, n'est-ce pas, les compétitions internationales, je sors de la Coupe d'Europe, où je voyais pratiquement des équipes, quand il fallait jouer, je les voyais dans des bus très confortables. Ce bus coûte combien? Comment un sport, qui semble être une structure qui existait sur certaines zones, dans notre sport, comme vous nous dites. Et des sports plus coûteux d'ailleurs. Voilà, ça veut dire qu'en termes d'argent, c'est pas ça qui leur manque. Maintenant, combien coûte ce bus? N'est-ce pas? Donc, ils ont été incapables de nous offrir pendant 2 ans. Combien ça coûte? Donc, vous comprenez quelque part que nous, en tant que Camerounais, qui essaye d'être curieux, je me demande, attendez, est-on qui, quand même, d'entre tous ceux qui ont dirigé la FECAFOOT jusqu'à ce jour, est, pour moi, le plus expérimenté du monde footballistique? Il n'y a pas eu plus mieux qu'Eto. Alors, c'est quoi? Eto, fils, c'est fait dernier par One Sport, n'est-ce pas, une structure qui était presque moins connue. Attendez, et quand on sait que le corps sportif c'est français, on est aux Jeux Olympiques là, le corps sportif va voir le corps sportif, n'est-ce pas? Alors, on a donc des raisons, je dis, attendez, pourquoi est-ce qu'on s'est précipité, n'est-ce pas, de partir, n'est-ce pas, du corps sportif pour One Sport qui n'avait pas encore fait ses preuves et qu'aujourd'hui là, le minimum qu'on attend de One Sport, on n'a pas obtenu, le bus. Le minimum. Parce que vous savez quand même que le bus, c'est quand même, même du point de vue de la para, ça démontre que le Cameroun quand même est confortable. Mais on a passé pratiquement tout ce temps avec One Sport, on est à la case départ. Sincèrement, coach Lenjo, sincèrement, quand ça vient des taux, ça contribue à nous faire dire qu'il va d'échec en échec. Bonjour, Foula Dambadi. Hein? Bonsoir, président. On rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes le président national du RDDRC. Vous nous rejoignez alors que nous sommes déjà en plein débat sur ce plateau. On veut également avoir votre regard sur ce divorce consommé. Apparemment, comme il le disait le président, on n'a pas vu venir parce qu'on n'a pas vu les avertissements, les cartons jaunes. Et puis là, on est
pile dans le carton rouge. Alors on se demande à quel moment les autres cartons ont été brandis, à quel moment il y a eu les avertissements, ou peut-être en handball les 2 minutes dehors, pour qu'on finisse, on aboutisse radicalement à un carton rouge, à une éjection. Une éviction. Merci Madame Rosalie, merci à tous vos techniciens qui vont nous faciliter la tâche à mieux décortiquer ce que vous avez largué sur les écrans comme thème et autres. Moi, l'histoire de, pour aller droit au but, l'histoire de Afrika Vout devrait normalement me laisser à 37 degrés parce que je suis l'un des Camerounais qui n'apprécie pas beaucoup, c'est-à-dire les démarches que les autorités prennent souvent pour que notre fortune soit, c'est-à-dire engagée n'importe comment et autre. One sport là, moi je crois que je me disais que c'est quelqu'un qui était quelque part ici dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Ça, je ne me moque pas du nom. Je sais que ceux qui ont la capacité dans ce domaine, il y a peut-être Nike, il y a peut-être le corps sportif et autres, tout ça, qu'on connaît couramment. Le Cameroun est le seul pays qui a assez de moyens, mais on entend le résultat que lorsqu'il y a des échecs. Le cas par exemple de l'Afrika Vout, quand on parle de bus, autrement, il n'y en a plus pas loin de l'Afrika Vout. Je n'ai plus pas loin de l'Afrika Vout. Quand je suis souvent là même à pied, je m'arrête, je regarde le bâtiment, je regarde comment les vieux bus sont, c'est-à-dire garés là devant cette structure et autres qui fait tant de bruit, tant de brouhaha dans le monde. Vous savez que la chose volée ne se fait pas très bien. Hein. C'est le cas de contrat aussi. Quand le contrat est fait dans les coulisses, quand il n'y a pas, c'est-à-dire qu'un appel d'offres digne de ce nom, quand il n'y a pas, c'est-à-dire une information au sens républicain, parce que vous allez voir que des gens, beaucoup de gens sont pressés pour tout de suite se remplir les poches et puis s'en aller, quand ils mettent la nuque à ceux avec, c'est-à-dire ceux qui ont partagé le gâteau avec lui, il se dit que non, mais ça c'est déjà fini. Son regard est, c'est-à-dire que tout droit devant lui. Cette histoire de One Health Pro, c'est comme nos marchés publics au Cameroun. Ça, c'est notre propre. C'est notre propre. C'est-à-dire que l'argent de l'Afrika Vout ne vient pas vraiment ailleurs comme on le pense. C'est toujours nos efforts. Et que nous, ça venait d'ailleurs, c'est comme à notre nom, au nom du peuple camerounais, que ces transactions se passent. Mais vraiment, je suis déçu de la pure façon d'entendre encore, c'est-à-dire que les choses se suivent. Je n'ai pas encore digéré l'histoire de l'OJ, ou alors JO, inversement. Aujourd'hui, on parle de ce partenaire. Hein? Et moi, c'est nouveau pour moi, franchement, voilà. Je suis un leader politique. Je suis quelqu'un qui aime bien les médias parce que j'aime bien m'informer, m'imprégner de ce qui se passe autour de moi. Et comme j'ai encore des yeux bien regardants, pourquoi est-ce que je dois rester pour que les autres viennent m'informer? Mais c'est très grave. C'est très grave. Vous avez l'impression que les chocs se succèdent à oui, vous parlez des milliards, mais nous n'avons pas la possibilité de quitter la route pour aller vers le centre-ville, quelque part dans le septentrion, ou bien dans le nord, ou dans le sud-ouest. Vous parlez des milliards comme ça, c'est-à-dire qu'on a peut-être dû attribuer à ces partenaires comme ça, alors que le bâtiment, donc comme je vais vous réveiller encore à l'Afrika Vout, quand vous êtes là-bas, si quelqu'un est étranger, peut-être un Tchadou, un Centrafricain, ou alors un Nigérian, qui n'a jamais été à Yaoundé quand il entend l'Afrika Vout, et quand il vient là, on lui montre que voici ça, le bâtiment de l'Afrika Vout, il va vraiment s'étonner pour dire que non, mais ça c'est d'abord la représentation au niveau de l'arrondissement de Yaoundé, deuxième, comme c'est là-bas où ça se trouve. Peut-être que l'Afrika Vout est encore ailleurs, et c'est même la représentation régionale se trouve peut-être dans le haut de Brébier ou bien ailleurs, à côté des ministères ou du musée de sport. Donc, comme je venais d'écouter mon compatriote qui est en face, qui parle des taux, moi, quand vous parlez des taux, ça, c'est pas une façon de dire que j'ai quelqu'un, mais quand vous parlez des taux, je parle vraiment à l'étouffe. L'étouffe.
que le technicien se sert, avec lequel le technicien se sert pour fabriquer, peut-être un montage mécanique, peut-être une machine mécanique. Vraiment, ça m'étonne tellement. Lui, quand il était là, mondialement, on sait que Eutomus, c'est vraiment, c'est-à-dire que si on peut parler de l'excellence, on peut dire que c'est lui. Maintenant, quand on dit que c'est un Camerounais, ça fait encore la fierté de l'Afrique d'abord. Avant qu'on ne parle de Cameroun, parce qu'il y en a d'autres qui ont brillé sur le plan footballistique comme lui. Mais depuis qu'il est là, franchement parlant, quand il y a souvent ce genre de débat autour de moi, je me lève comme si on venait de m'appeler tout à l'heure au téléphone pour aller répondre à une urgence quelque part. Donc tu es un peu déçu quand même venant de quelqu'un. La déception est très grande de ceux qui sont en train de nous gouverner, de ceux qui sont qui traitent les affaires du Camerounais par complicité comme si c'était un couloir privé. Or c'est la chose, ça engage vraiment toute la République, ça engage beaucoup, ça engage plus le peuple camerounais. D'accord, la déception est vraiment grande. Maï, tu voulais réagir également. Le président Doumbou se trouve qu'il a aimé Samuel en tant que footballeur. C'était une fierté pour le Cameroun et tout. Mais dans la gestion, lui, il est de plus en plus déçu et il préfère fuir même désormais les débats concernant Samuel Eto'o parce que ça sort généralement des cadres. L'Afrikafoot avec. Et l'Afrikafoot avec, parce que s'il fallait regarder, même le siège de l'Afrikafoot ne reflète pas une fédération camerounaise de football, dont à plus forte raison, tout ce qui est fait à l'intérieur, ça ne peut être que problématique. Rosalie, oui. je vais essayer de rebondir sur certains sujets, certains propos tenus ici par les uns et les autres des panélistes. J'étais à Luanda il y a 24 mois à peu près, n'est-ce pas? Lorsque vous arrivez à Luanda et que vous vous aventurez pour visiter le siège de la fédération angolaise de football, vous sentez devant un joyau architectural que le Cameroun aurait pu s'offrir depuis 20 ans. Il y a 20 ans, ce n'est pas Eto'o qui était à l'Afrikafoot. Il y a des milliards qui sont entrés à l'Afrikafoot. Les gens se sont permis de faire des importations de leurs marchandises privées sous le couvert de l'Afrikafoot parce qu'il y a exonération des droits de douane. Et je veux dire au président du parti que moi, tout ce qui se passe là, ça me plaît. Je vous prends un exemple simple. Nous sommes sept dans cette salle, hein, dans ce studio. Vous voyez, vous allez constater qu'ici, dans ce studio, il y a quelqu'un qui porte un maillot du Cameroun. Ce maillot du Cameroun n'est pas One All Sport. Ce maillot du Cameroun est Puma. Je vous dis que dans ce business, ce qui me gêne, c'est que en fait, ça ne gêne même pas. Je m'attends à ça souvent. L'analyse de M. Awono, le politologue, vous avez dit le politologue. Le juriste. Voilà, le juriste. Ça me surprend de voir que quelqu'un qui a certainement une tête bien faite essaye de ramener un débat comme ça au niveau des égouts. Pourquoi? Parce que la réflexion, l'intervention de M. Awono, c'est un réflexe de fonctionnaire. C'est les fonctionnaires qui ne sont pas habitués à la révision de leur contrat. Il entre en service à 18 ans ou à 20 ans. Bon, il va rester là-dedans jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Il ne négocie rien ou pas de contrat. Mais nous qui sommes dans le service privé, qui estimons que le business, c'est le rendement, c'est l'efficacité. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas surpris que le contrat soit résilié. Ça ne me surprend pas du tout. Et je vous ai dit une chose. Moi, cette résiliation me plaît. Vous savez pourquoi? Non. Parce que des gens ont fait importer des pleins containers de maillots contrefaits de One All Sport pour faire échec à ce contrat, évidemment. Tout à fait. Il y en a, moi j'en connais. Si vous voulez, je vous en montre. Il y a des pleins de containers de maillots de One All Sport contrefaits. Partout, vous avez tout ce que vous voyez dans la rue, là, c'est des problèmes. Oui, mais c'est un contrat, je vous ai dit. Laissez-moi aller au bout de mon propos, monsieur le président. Laissez-moi aller au bout de mon propos. Je dis donc que, dans cette affaire, ce n'est pas à la Afrikafoot d'avoir perdu. La variété, la personne qui perd dedans, c'est One All Sport. Je rappelle aux uns et aux autres qu'on ne peut pas parler de One All Sport comme si on parlait à... Maintenant, j'ai une question. Si c'est One All Sport qui perd, pourquoi c'est la Afrikafoot qui refuse le contrat? Oui, mais parce que... Si One All Sport avait un problème, c'est One All Sport qui devait demander à partir. Mais One All Sport, on ne sait pas exactement ce qui est les conditions qui ont présidé à ce que le secrétaire général nous avance cette convention, cette résiliation. Il est certain d'une chose. Il est certain, je sais que One All Sport,
Ce n'est pas un équipementier de quartier. Parosport habille quand même la Formule 1. Et la Formule 1, c'est des sports de gros sous. Ouais. D'accord. Donc on ne peut pas parler de Warm House Sport comme si on était parti prendre un équipementier à Makolo pour faire ceci. Non. Warm House Sport investit là où ça lui rapporte de l'argent. Donc en nous faisant même la faveur de pouvoir équiper nos équipes, notre équipe nationale, Warm House Sport a couru un très grand risque. Risque avec les Lions et Notables. Oui, oui, bien sûr. En termes de retour sur l'investissement, One Horse Sport a couru un très grand risque. Avec les Lions et Notables. Mais parce que vous les Camerounais, vous êtes habillés en One Horse Sport. Vous ne vous êtes pas habillés en One Horse Sport. Je vois des gens porter la maillot de corps sportif. Moi, quand les équipes étaient habillées en corps sportif, moi j'ai acheté le maillot de corps sportif. N'est-ce pas? Combien d'entre vous ont acheté un maillot One Sport? Très peu. Je vous dis très peu. Et on aime un équipementier. Un équipementier ne peut respecter les engagements contractuels que en fonction du rendement apporté par les achats des équipes, de ces équipements, par les supporters des équipes. Voilà la situation. Les Camerounais ne se sont pas habillés à One Sport. Vous l'avez fait exprès. Parce que vous croyez que quand vous allez le faire, ça va faire un show et tout. Mais j'ai dit, je connais pas Eto'o physiquement. Hein. Enfin, j'ai été à la terrasse. On n'est pas des amis, on n'est pas à tuer avec Eto'o. D'accord, mais je suis allé à l'enterrement de son père au village parce que c'est mon village. Même si ça ne nous intéresse pas beaucoup. Donc, ça ne nous intéresse même pas beaucoup. Donc, je dis donc que c'est bien fait pour les contrefacteurs qui ont... Donc, à ton avis, il y a résiliation de contrat parce que les Camerounais n'ont pas acheté les maillots. Mais c'est aussi simple que ça. C'est simple, madame. Parce qu'il faut dire simple. Cette résiliation de contrat ne doit pas faire des agitations sur la toile. Ça fait des agitations déjà. Pour la simple raison que les gens veulent encore créer un problème étouffé. Donc vous avez l'impression qu'il n'y a aucune raison. J'ai suivi le président tout à l'heure. C'est que les gens ne sont pas habillés. Il faut que les gens comprennent que dans une société qui ne fonctionne pas, hier on était ici avec le maire Patrick Ngoulou. Qui disait, c'est un RDPC, qui disait qu'il faut qu'au Cameroun les gens apprennent à démissionner. Voilà, à libérer. Alors quand vous faites quelque chose qui ne marche pas, il faut rompre le contrat. C'est tout. C'est pour ça qu'on voit tous les pays africains rompre les contrats avec leurs partenaires inutiles qui n'apportent rien. Loin au sport, je vous dis, dans la signature de ces contrats, comme il y a la corruption partout dans le Cameroun, ne vit que de corruption. C'est le comité exécutif qui signe les contrats avec les partenaires, les équipementiers. C'est même pas Samuel Eto'o. C'est le comité de la FECAFOOT. Et c'est pourquoi que dans ces signatures de contrats, les gens aient arrangé les soubresauts ou bien les trucs comme ça. Qui est le patron de la FECAFOOT? Écoutez, laissez-moi faire. Qui est le patron du Cameroun? Non, là. Qui est le patron du Cameroun? Là, on risque d'aller. Laissez-moi continuer. Aujourd'hui, dans cette histoire, il y a eu les Camerounais eux-mêmes. C'est un Camerounais, je suis sûr, je peux mettre ma main au fort, que certains ont dû faire des démarches près de One All Sport pour ne pas respecter ces clauses de contrat avec la FECAFOOT, tout simplement pour nuire à l'oreille de Samuel Eto'o. Et les Camerounais sont fiers, vous voyez comment ils sont contents aujourd'hui de dire que l'échec d'Eto'o. Alors que ça aurait pu apporter un plus dans le domaine du football camerounais. Il n'y a pas d'échec du tout. Ça aurait pu apporter quelque chose de rentable dans le football camerounais. À quoi sert l'échec? Coach Lenjo. Vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cet échec de réalisation de contrat? Vous qui parlez aujourd'hui, le Cameroun paye quoi là-dedans? Puisqu'on n'a rien gagné. Coach Lenjo. On n'a rien gagné. Vous faites que c'est un échec comme si on avait sorti de l'argent pour aller à une compétition et on a perdu, on a dépensé pour le fonds public. Donc moi je dis, c'est ma façon de voir les choses. Et la FECAFOOT est en pleine restructuration. La FECAFOOT est en train de vouloir se débarrasser. Oui, on se débarrasse. Oui, même si c'est 2 ans. Pendant les 2 ans, vous ne les laissez pas travailler. Depuis qu'il est là, depuis 2 ans, vous ne laissez pas la FECAFOOT travailler. C'est bon. Vous voulez vous ingérer sur toutes ces actions.
Et vous voyez qui travaille devant. D'accord. Comment c'est ça vous marchez quand vous êtes tous là derrière en train de l'empêcher d'évoluer. Et vous dites que c'est l'image, j'ai envie de vous donner la parole. Voilà, vraiment, c'est oui. Sincèrement, vous faites dans ce qu'on appelle la calomnie. Ce n'est pas de la calomnie. Parce que depuis là, vous êtes en train d'accuser des personnes que nous ne voyons pas. Vous dites, il y a des gens qui. Mais vous pouvez parler de quoi? Lorsque toi arrives comme président d'Africa Foot, il fait l'état des lieux. Il dit, avec Coq Sportif, je ne continue plus parce que si, parce que ça. Oui. En revanche, je prends World of Sport parce que si, parce que ça. Maintenant, voilà World of Sport qui résume le contrat avec Otto. Il me semble que tout nous a pris à témoin quand il résume le contrat avec Coq Sportif. Maintenant, on s'attend à ce qu'ils nous disent. Je résume mon contrat avec World of Sport parce que si. Parce que ça. Donnez-lui le temps de vous dire. Oh là là. C'est hier qu'on a écouté la messe. Est-ce qu'on réclame les gens? Est-ce qu'on résilie avant de nous donner la raison pour la résiliation? Il vous donne d'abord vous avez des explications pour faire quoi? On a le droit. Mon cher, laissez-nous ça, nous ne faut pas nous distraire. Au Cameroun, nous sommes au Cameroun. Les décisions qui sont prises ici, on n'est pas notre nation. C'est le Cafou qui doit vous exprimer les appétits pour qu'on parle des deux. Lorsque Eto'o s'engage à devenir président d'Africa Foot, il fait le serment. Parce que c'est Eto'o qui fait de prendre en compte. Il fait le serment d'être transparent et de gouverner autrement l'Africa Foot. Dans ce pays, on peut se faire On peut se faire. Je dis que moi, les députés prennent sa main. Les gens prennent sa main. Mais est-ce qu'ils vous racontent? Coach Lemjo. Pourquoi vous regardez le football tranquille? Allez demander ce compte à la Cour des comptes. Allez à l'Assemblée nationale demander au président de l'Assemblée pourquoi on a amendé telle loi sans demander l'autorisation du peuple. Oui. Allez demander au président de la République pourquoi il y a telle chose et qu'il le dise au public. Okay. Si ça s'appelle le temps, vous verrez sur les criers. Okay. Donc tant qu'on ne peut pas demander les comptes à l'Assemblée, vous venez demander à l'Assemblée. Qui n'a pas même bien. Allez demander au ministère de la ministre pourquoi il y a échec au JO. Mais vous ne demandez pas. Ce commis n'est pas en débat. Alors, ça met le tout en débat. Non, ça met le tout en débat. Si tu peux demander, on a dit que la résiliation du contrat, il n'y a pas de Samuel Eto'o dans le thème là. Mais tu es le patron. Tu es résilié le contrat. Tu es le patron. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas croyable, mon cher Coach Lemjo. C'est croyable. Faut pas écouter. Écoutez, vous avez désormais la responsabilité de donner au football camerounais toute sa grandeur. Et depuis deux ans, nous voulons d'échecs. En échec. Voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que jusqu'alors, je n'ai vraiment pas vu la marque Eto'o. Sincèrement, je suis désolé. Eto'o est marque. Écoute, Eto'o est marque. Eto'o est une référence du footballiste dans le monde. Et vous le laissez travailler. On ne laisse pas travailler. Laissez sa main dans Eto'o. Vous me rappelez de quoi il est marque. Lorsque vous faisiez le son dans. Je vous rappelle que depuis 2 ans. Lorsque vous faisiez le son dans le coach de l'équipe nationale. C'est lui qui nomme son bala. Ah, c'est qui? Vous n'avez pas vu la dénomination de son bala. Ah, ok. Vous savez pas que les hautes institutions et les hautes directives travaillent depuis la fin. Non, c'est faux. Qui vous dit que ces hautes directives n'ont pas à empêcher jusqu'à ce contrat? Jusqu'alors, Coach Lemjo, je veux savoir les raisons de l'organisation du contrat. Vous voulez savoir? Alors, je vous donne la raison. Je finis par. La raison, c'est que. Coach Lemjo. J'ai donné la parole au président. Merci. Vous avez parlé, on vous a écouté. Merci, ça va. Vous allez souffrir d'écouter les autres. Merci. On va essayer de se respecter. Non, je suis clair. Oui. Ne me dites pas je parle plus pour rebondir. Non, je ne deviens plus, c'est ça. Non, je dis bien, ne dites pas je me calme pour rebondir. Merci, après. Merci, madame Rosalie. Voilà. Je voulais saluer au bout de votre propos. Très bien. Donc je dis, Eto'o a été élu à l'Africa Foot, n'est-ce pas, pour donner au football camerounais toute sa grandeur. Et Eto'o, n'est-ce pas, c'est a pu en parler avec One All Sport. One All Sport, c'était pour habiller les lions. One All Sport, c'était tout pour renflouer les caisses de l'Africa Foot. Ouais. One All Sport, c'était pour donner aux Camerounais un bus. Jusqu'à ce jour, les Camerounais n'ont rien vu. Oh, ça veut dire donc que quelque part, il y a une tromperie sur la marchandise. Moi, je suis en train de le dire, il y a une tromperie sur la marchandise. Parce que quelqu'un comme Eto'o ne pouvait pas, n'est-ce pas, contracter avec One All Sport sans avoir la certitude que le minimum que je demande à One All Sport va au moins s'être offert. Ouais. Mais nous voilà à deux ans, on n'a rien vu. Et nous voilà en train de résilier sans nous dire. Allez, de la raison de la. Ah. Coach Lemjo.
Vous n'avez toujours pas fait parler. Tu as prêté ça. Il est en sujet, monsieur. C'est pas vous, madame, de dire qu'il est en sujet sur vous. Cosme, mais vous pouvez présenter nos musées. Tu es à la cour de récréation. On va parler de certains détails. Est-ce que c'est interdit? Vous et la pensée unique, c'est très grave. Donc, il est interdit de prononcer le ton sur ce plateau. Non, vous n'avez pas. Non, il est interdit. Il est interdit, mais c'est vrai. Quand tu l'aimes Dieu. On prononce au rythme qu'on veut. Je suis la seule à parler. Les mots sont mon nom. Quand tu l'aimes Dieu. Pardon, fais ton débat sans prononcer mon nom. Quand tu l'aimes Dieu. Mais le nom de. Je ne suis pas défoncé là. Alors, respire. Si tu as la pensée de la respire d'Afrique, faut respirer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous sautez? Tu vois, il est comme. Non, il est libre. Quand tu l'aimes Dieu. Respire. Dis majesté l'aime-je alors. Majesté l'aime-je. Voilà. Oui. Ce que je constate, ce que je dis là, c'est un constat que je fais. Hein. Ouais. Ça, c'est sans a priori. Parce qu'il y a devant moi, c'est pas une résurrection de contrat. De lire les faits. Tout simplement, il y a devant moi une résurrection de ce contrat. Alors je suis en train de vous demander, alors qu'est-ce qui peut avoir poussé Eto à le faire? Pour après rompre le contrat 2 ans après. Jacques Léonce, Awana, vous vouliez également réagir. Un contrat qui n'a pas fait long feu et qui était annoncé quand même comme la solution au manquement du coq sportif, puisqu'on nous avait dit ça ne nous apporte pas grand-chose. Avec Awana Sport, on aura 1 milliard par an. On aura. On se disait quand même que beaucoup de choses allaient changer au Cameroun et qu'on allait voir une nouvelle couleur autour des Lions. Jusqu'ici, au moins tous les Camerounais sont d'accord sur quelque chose. On n'a presque rien à ce niveau-là. Et là, on entend qu'il y a séparation. On a quand même envie de se demander pourquoi séparation. Et là, il n'y a aucune explication. On dit simplement qu'ils n'ont pas respecté leur part du contrat. La question a tout son sens. Pourquoi la séparation? Pourquoi maintenant? D'ailleurs, je voudrais rappeler quelques préalables à M. Lemdjo et son voisin. L'Africa Foot est une association de droit privé délégatée du service public du sport, précisément du football. Et donc, les dirigeants de l'Africa Foot sont soumis au sens de la redevabilité, M. Lemdjo. Lorsque M. Samuel Eto'o signe un tel contrat, il engage l'État du Cameroun. Ok? Donc on ne parle pas d'Eto'o comme personne. On n'a pas envie de parler de lui ici. On ne le connaît pas. On le connaît en tant que président de l'Africa Foot. Lorsqu'il signe un contrat, comme celui dont nous sommes en train de parler, il engage l'État du Cameroun. C'est de ça qu'on parle. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui engage une personne. Non. On ne le connaît pas. On n'a même pas envie de le connaître. Donc, lorsque ce contrat a été signé, j'ai commencé à dire ici que personne n'a vu les termes de ce contrat. Encore qu'on ne nous a même jamais présenté un contrat. On disait seulement que oui, on a signé un contrat et tout. On ne nous a jamais présenté un contrat. Personne n'a jamais vu les termes de ce contrat. Donc, la question du président est pertinente. À quel niveau One All Sport a échoué? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Est-ce que vraiment les dirigeants de l'Africa Foot sont capables de répondre à cette question? Il me semble que non, parce qu'ils n'ont jamais présenté un contrat aux gens. On se pose la question de savoir s'il en existe un. Voilà. Et donc, il faut à un moment donné qu'on soit d'accord sur le fait qu'il est question d'un autre échec cuisant de la part des dirigeants de l'Africa Foot. Parce qu'ils sont là. Ils sont arrivés là. Monsieur Maï dit que c'est la reconstruction. Mais qu'est-ce qu'on reconstruit finalement? Est-ce qu'on peut reconstruire en allant d'échec à échec? Est-ce qu'on peut reconstruire en détruisant? Parce que je vous rappelle que ce monsieur est arrivé, nous étions en contrat avec le corps sportif. Il a résilié ce contrat. Parce qu'il ne fait rien. Le corps sportif, c'était Chifou. Je suis en train de parler. Il a résilié ce contrat. Pour nous, disait-on, le plus gros contrat de l'histoire du Cameroun contre le One All Sport. C'est ce qu'il nous dit, il nous faisait savoir. D'ailleurs, il vantait pompeusement ça. C'était le plus gros contrat de l'histoire du Cameroun. Ah ouais, non, jusqu'ici. Jusqu'ici. Donc, nous autres, observateurs de la chose footballistique de notre pays, on n'a rien vu de nouveau sur le soleil. Absolument rien. Aucun bus, parfois même des Lions. Aller s'incliner avec des maillots. Donc M. Lemdjo dit qu'on va à Mokolo. Bien sûr. Mais oui, vraiment du jamais vu. Mais oui. On se pose la question de savoir comment est-ce qu'un monsieur, donc vous nous faites savoir qu'il est le meilleur du monde. Non. Il ne se trompe jamais. Personne n'a dit ça. Il ne se trompe jamais. C'est vous. Il est venu pour reconstruire le football. Comment est-ce qu'on peut reconstruire en se trompant aussi grandiosement?
Parce que World All Sport, je l'ai dit ici, n'a jamais habillé une équipe nationale de football. Oui, mais... Comment est-ce qu'on fait en tant que manager pour prendre un tel risque d'engager un monsieur qui n'a jamais fait dans quelque chose, mais on veut être le premier à le faire alors qu'on est là pour produire des résultats. On est là pour redonner au football toute sa grandeur. Comment est-ce qu'on redonne au football toute sa grandeur en titubant? On comprend donc que c'est un management. C'est un management à ramasse. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui arrive comme ça. Encore que, il faut dire que, oui, peut-être. Lorsqu'on n'a pas su faire la transition entre la culotte et la veste dans un bureau, il y a un problème. D'accord. Parce que un vrai manager et qui a le sens de la redevabilité, le sens du résultat, ne peut pas prendre un tel risque d'engager un monsieur qui n'a jamais fait dans un secteur d'activité. Non. Ça, ce n'est pas le manager. Non, ça vous a compris. Un vrai manager ne peut pas faire ça. Vous comprenez qu'il y a des limites dans le management parce que c'est un monsieur qui n'a pas su faire ses classes. D'accord. Il n'a pas encore compris qu'il n'est plus en train de courir derrière le cuir. Il est assis dans un bureau fêté. D'accord. Osa. Président, je suppose que je peux lire les messages. Ou vous vouliez rajouter également quelque chose. Je voulais lire les messages. C'est que c'est moi, bon. Je reviens sur un seul fait. C'est-à-dire que le peuple camerounais est toujours supplié quand c'est la honte. Alors que, en réalité, avant de tenir des propos barrés sur le plateau, d'où les copanalistes sont camerounais, pas que c'est un étranger qui vient parler de l'Afrique à foot au Cameroun, pas que c'est un passant qui a entendu des voix dans une maison et qui s'était donc introduit pour savoir qu'est-ce qui se passe. Non, nous sommes tous Camerounais, nous savons, nous connaissons bien notre pays. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable dans le sens que le contrat, les endettements, tout ce qui se passe, quand vous parlez de politique sur le plateau, parlons de la politique qui regarde le sport comme nous parlons aujourd'hui de sport. N'allons pas se dire que dans n'importe quel terrain pour parler. Le sport, tout le monde sait que votre personne la plus aimée, que je ne vais pas prononcer le nom parce qu'il faut pas que ça nous retienne encore deux minutes. Celle-là, c'est une célébrité qui n'a pas, qui a, c'est-à-dire que dans la mentalité des Camerounais, c'est sans pareil. Mais au niveau de la gestion, quand les choses ne marchent pas, il faut savoir quitter avant que ces choses ne vous quittent. Vous avez parlé ici de la démission. Tout à fait. Vous avez parlé de la démission. Et Tovis, avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées, que ce soit intentionnel ou alors naturel, vous et moi, personne n'ignore que Tovis, ce sont ses pieds, sa tête, ses épaules et autres pour se manipuler le ballon. Mais la gestion, ce n'est pas son affaire. Qu'il quitte derrière les affaires. Je ne veux pas rappeler, il y a ma mère pour qu'il revienne à sa place. Je ne veux pas chercher un autre pour qu'il le bousculer. Celui qui était avant lui, c'est un Camerounais, lui. Il l'est et l'autre qui viendra sera un Camerounais. D'accord. Bonsoir Rosalie, au début de cette affaire, c'était juste de l'enfumage du pasteur. Cette entreprise n'a jamais existé. C'est un montage des gens de Tinga. Voilà. Où est le bus? Où est un milliard par an? C'est Mouli qui pose la question. Mon cher frère Awono, stade inachevé d'Olembe, 250 milliards. Pont à péage de Kribi, 36 milliards. Autoroute Yaoundé-Douala, 60 km en 8 ans, 300 milliards. 4500 sac des riz volés, c'est le contrat One Sport qui vous intéresse. Non. Maximilien Zola, oui, c'est ça. C'est pas le jeu. C'est le moment des téléspectateurs. Respirez. Si ça te range, fais comme ça. Comme de faux. Je laisse tranquille. Est-ce que ça t'arrête, tu ne parles pas? J'ai lu seulement un message, vous êtes déjà arrivé. Je vais m'attendre à 10 messages. C'est des fous. C'est moi. C'est des fous. Allez, on repart.
Allez, on va du côté de la Guinée. Voilà, Malabo, c'est en Guinée. C'est ça. Bonsoir, Ousali. On n'achète pas les maillots d'une équipe qui ne gagne pas les grands matchs. Ah, même en partageant gratuitement ces maillots aux populations, ça ne pouvait que servir que pour les travaux champêtres ou des chiffons dans les garages. C'est Achille depuis Malabo. Autre réaction. Bonsoir, Madame Rosalie. Bon après-midi. S'il te plaît, Rosalie, demande au monsieur Invest. Il avait vu les thèmes du contrat entre la FECAFOOT et Puma. Il avait vu les thèmes du contrat entre la FECAFOOT et le Coq Sportif. Pourquoi cette fixation quand c'est Eto qui est président de la FECAFOOT? C'est Thomas depuis Yaoundé. On va au Gabon. Bonsoir, Rosalie. Juste demander à Eto de cesser de prendre les Camerounais pour des idiots et qu'ils nous disent d'abord combien il a pris pour la signature de ce contrat. Il a pris de l'argent au départ et qu'ils nous disent il faut qu'on poursuive ce monsieur dans des instances habilitées. C'est pas normal. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir aux panélistes. Madame One Sport n'a jamais été un équipementier. Et c'est une plateforme de vente. Nous l'avons toujours dit que c'est une grosse arnaque comme c'est un dieu qui gère la FECAFOOT. Personne n'a voulu nous prendre, nous comprendre. Bonne suite d'émission. Le fanatisme fait perdre la raison, madame la présentatrice. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir Madame Rosalie, c'est Jérôme Guemendon. Vous avez présenté un monsieur comme un juriste et vous avez bel et bien dit que le débat des personnes n'est pas à l'ordre du jour. Mais quand j'écoute ce juriste, je comprends qu'il profite de votre plateau pour régler ses comptes à Samuel Eto'o. C'est dommage pour ce pays. C'est Jérôme qui nous écrit. Autre réaction enregistré ce soir. Bonjour Tata, cette affaire est une grosse arnaque, une duperie. C'est un petit groupe d'individus qui a décidé lui-même de fabriquer, de confectionner ses maillots en Chine et de les vendre aux supporters pendant la Coupe du Monde et la CAN ivoirienne. Un maillot confectionné en Chine ou en Thaïlande à 500 francs CFA sera vendu aux supporters à 25 000. Sur 1 million de maillots vendus, ça fera 25 milliards et le groupe viendra présenter 2 milliards à la fédération. Les 23 milliards déduits des frais de fabrication de 500 millions de francs seront empochés. C'est donc une affaire personnelle de ce petit groupe. Le fameux équipementier a juste fait louer son nom contre paiement de royalty converti en publicité qui lui sera faite. C'est Yaya qui nous écrit depuis Yaoundé. Un professionnel de la profession comme Eto'o ne pouvait pas commettre une telle erreur en allant prendre un équipementier jamais connu dans le monde du football pour habiller les lions. Tout ça, c'est une grosse arnaque. Mmh. Quand on le dit, on te traite des hiboux. C'est Patrick depuis Kondengi. Bonsoir, Madame Guessela. Eto'o croit se jouer des Camerounais. C'était une manière de vouloir blanchir l'argent de la FECAFOOT. Il a été rattrapé par ses propres démons. C'est la réaction. Je pense que c'est un sobriquet. Bonsoir Rosalie. On dit même quoi? Si un contrat n'est pas respecté, on le résilie. Sans commentaire, toujours la FECAFOOT. Parlons un peu de ce qui s'est passé en France. Aucune médaille sur 9 milliards. 9. Hein? C'est quoi? Tu as écrit 900 millions. Non, c'est même pas ce qu'il a écrit. Hein. Il a écrit, moi je compte le nombre des zéros. Il a écrit 90 millions, millions. Consommer, on n'en parle pas. Les Camerounais, changeons de mentalité. Toujours le nom d'Eto'o et les autres, Gilles depuis Douala, qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosalie, hormis les maillots qui n'ont pas été rentables pour One Sport, l'équipe nationale a été très nulle aux compétitions internationales, ce qui a impacté négativement l'image de cette arnaque. C'est Guy qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Madame Rosalie, vous êtes du nectar en termes de beauté physique et intrinsèque. La résiliation du contrat avec One Sport est une preuve à suffire que le président de la FECAFOOT attache du prix au respect des clauses contractuelles. D'autres à la place du Pititi se seraient contentés de leur propre avantage au détriment du football camerounais. Même le bon Dieu au départ a créé l'ange Gabriel dans les cieux et a fini par le chasser du ciel quand il s'est rébellé. Landry Paolo depuis les berges du fleuve Lokoundié par Kribi. Bonsoir Madame Rosalie, demandons au monsieur Maï quelle écurie de Formule 1 One Sport habille. Ah ben voilà. Autre réaction enregistrée, le débat est très bas et nous sommes dans le regret de dire que vous avez la responsabilité de le gérer afin que nous ayons du plaisir. J'ai lu. Ouah! Enfant à la maison avec ma petite fille regardant le soir devenu grand. Collins, le syndicaliste,
du transport malgré les accidents routiers dans Masanaga Maritime. L'Endio aurait-il installé un lien au studio pour contrôler Rosalie Minalmi? Une muselière pour lui, s'il te plaît, Rosalie. Awono que j'écoutais jeudi dernier du côté de Camercon, dans une chaîne privée, le bouillon Maï aurait-il oublié son maillot One Sport au Sombok? Une très mauvaise aventure mafieuse à l'image de Glencore pour un individu de nous entraîner vers un désespoir au sein de la mission de Tinga. Samuel et ses laudateurs nous ont parlé d'un contrat juteux qui au fil des ans est devenu acide. Qu'en est-il de l'ancien équipementier, le coq qui continue de cocorico sur le crâne des églisiens? Au-delà des annonces, nous avons vu du vent et de l'arnaque à me questionner si les imposteurs églisiens sont sincères avec ce contrat fantôme. Samuel serait-il au-dessus du comité exécutif de part des résolutions d'un contrat virtuel? Je comprends qu'il a voulu régler ses comptes à Seydou. Maintenant que nous sommes dans une situation de l'opacité managériale de la fédération avec un équipe montier dont j'ignore le siège social, nous n'avons pas terminé avec le coq que nous continuons à chercher un autre sponsor. L'espoir d'un professionnalisme ne naîtra jamais dans cette église lugubre. Waouh, nous sommes à Saloba ce soir. C'est Thomas Massoc qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, la question que je pose en défaut aucun est de savoir qui au Cameroun a déjà rendu compte. Donne-nous le nom d'un président de la FECAFOOT qui a rendu compte. Autre réaction, bonsoir madame. Monsieur Jean, le président du syndicat a amené la corruption dans son syndicat et passe tout son temps à aboyer dans les plateaux pour ne rien dire. André Dédéa, c'est parti. Autre réaction, Rosalie. Je vous ai déjà dit, le message est très long, mais je n'aime plus. Bonsoir Rosalie, à tout ton panel, l'urgence de rompre le contrat maintenant s'impose parce qu'il y a un audit qui va se passer d'ici septembre et on veut anticiper en montrant qu'on a rompu le contrat pour des clauses non respectées. Rosalie, One Sport et la FECAFOOT, c'est la famille. Samuel Eto'o et ses amis qui sont cachés derrière One Sport, c'est une entreprise écran. Rosalie, je mets le coach Lemdio et l'UPCiste au défi. One Sport n'existe nulle part dans d'autres sports. Il va te dire cette arnaque officie dans la Formule 1. Or, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas là-bas. Je suis un très grand fan de sport mécanique. Il peut vérifier même sur Google. Paul Depuis Guider. Non, mais sérieusement, Rosalie, ils sont sérieux de croire que One Sport serait, devrait être un équipementier normal. C'était une opération créée pour éloigner au maximum les membres du gouvernement dans cette affaire. One Sport a toutes et toutes ses promesses. Rien n'est normal dedans. C'est une frappe organisée par pour manger en Coupe du Monde et se remplir les poches, et c'est dommage. Paul Depuis Guider qui complète, il n'y a jamais eu de contrat. Bonsoir madame, joli panel et thématique. Je voudrais relancer votre invité qui demande que depuis 2 ans, le mandat d'Eto'o part d'échec en échec et parodie Eto'o lorsqu'il disait que je suis venu donner au foot toute sa grandeur. Pense-t-il que donner la grandeur d'un domaine devrait seulement passer par des victoires au sein des Lions A? Donner sa grandeur au foot ne peut pas passer à partir de la base du football comme il le fait depuis son mandat. Le sommet à son arrivée était pourri. La base du foot avait différents championnats et joueurs n'existaient pas. Dites-moi, la grandeur ne peut pas commencer par la base pour atteindre le sommet? Autre réaction, oh, bonsoir Rosalie, avec tous les problèmes que les Camerounais traversent, pourquoi voulez-vous qu'ils s'attardent sur une connerie comme One Sport? Et du coup, ceux qui n'ont réussi nulle part se donnent déjà à cœur joie de cette situation. Il y a mieux à faire dans ce pays que ce genre de problème. Monsieur Ndefosoka, dites au Cameroun qui a déjà expliqué aux Camerounais un quelconque échec. Vous êtes président d'un syndicat dont les actions ne sont visibles nulle part, sinon que vos élucubrations au grand soir. C'est Ziggy. Le monsieur en chapeau, est hors sujet et nul. Et ton fils est un fémin. Jean-Pierre. Ah, les deux. Autre réaction, bonsoir Rosalie, très contente de revoir Lemdio. Je vous suis et je vous salue. Lemdio, welcome. Défaut aucun va redonner la grandeur au transporteur. Entièrement d'avis avec toi, cher JP, je constate pour m'en étonner que nombre de nos compatriotes sont passés maîtres ou experts en matière de contrats sportifs.
sportif. Eto, on peut l'aimer ou pas, il faut reconnaître qu'il en est, il en sait mieux. Sinon plus que tous ceux qui interviennent dans ce débat, sans en connaître ni les tenants, ni les aboutissants, il a passé toute sa vie de sportif de très haut niveau et je crois qu'il faut en toute honnêteté lui reconnaître un minimum d'expertise en la matière. Encore que là, il s'agit d'un contrat commercial privé dont des clauses n'ont pas vocation à être publiques. Personne en dehors des deux parties contractantes n'en connaît le contenu. Et il me semble normal que lorsque les parties ne sont plus en accord avec les termes de leur collaboration, d'y mettre un terme. Pourquoi tout ce random? L'MTO est revenu. Rosa, tu vas crier. Ah ouais, non, même la France a refusé son propre corps sportif. Quand on va commencer à résilier les mauvais contrats, les gens feront attention. C'est voilà. La maman Odile Yogo qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire ce soir. Bonsoir Madame Guessel. C'est ça, il est revenu. Je vais le commencer à crier sur ce plateau. Je vais le renvoyer à l'ouest. Bonsoir Madame Guessel. Je pense que le communiqué du NG de la FECAFOOT donne clairement la raison de la rupture du contrat, à savoir le non-respect des clauses du contrat par Wano Sport. C'est tonton Théo depuis un Kouaban. Je vais lire tout le monde là. Bonsoir la belle Rosalie. Monsieur Maï devrait beaucoup se réserver car il semble ne rien connaître dans la galaxie football. L'État demande depuis ce contrat que la Fédé n'a jamais montré. Voyant qu'il est acculé, il a préféré jouer à son cinéma. C'est dangereux pour Eto, c'est Paul depuis Douala. Monsieur Lemdieu, retiens-toi. On ne te connaît pas. Tu n'aimes pas Eto. Même si tu aimes Eto, on s'en fout. Madame Rosalie, retenez que Ernest Obama avait d'abord déclaré que Wano Sport devait verser 7 milliards et après un an qu'il a ramené à 1 milliard et finalement rien. C'est Paul depuis Douala. Bonjour Info TV. Vraiment, je suis désolé de comprendre ce monsieur qui se présente de Sinester. C'est l'un des barons de ce pays qui ne connaît pas dit non quand ça ne va pas. Il se contente des pots de vin par derrière. Ah bon? C'est de la part du pasteur Mangele depuis Yabassi. Et encore quand un juriste, là, dès que chacun a son canon, on attaque la bonne beauté. Et encore quand un juriste dit que le contrat de Wano Sport est inexistant, comment un équipementier mondial peut s'engager dans un pays sans contrat? J'ai honte de certaines déclarations dans ce plateau. C'est comme si les panélistes n'ont jamais été dans une école. Il faut savoir dire non quand ça ne va pas. En tout cas, merci Info TV. Bonsoir, Ia Mohamed gérait bien la FECAFOOT. C'est pourquoi il a réussi en tant que bon joueur. Franck de Bokitu. Bonsoir Rosy. Wano Sport était l'indolent d'Eto. Il n'y a rien à faire. Vous vous rendez compte que ce fameux contrat avait été signé sans l'aval du COMEX et du ministère. Maintenant que ça l'a brûlé, il s'en sépare. Maintenant, le code dit qu'on empêche Eto de travailler de part et d'autre. Mais si c'est le cas, alors qu'il démissionne. C'est tout. Il y a quoi de signer nyang-nyang sur quelque chose qui ne t'avance pas. C'est rigolo depuis PK12. Bonsoir ma très chère Rosalie, à ton plateau. Vraiment, sachons ce que nous voulons dans ce pays. Lorsque quelqu'un ne prend plus pas de décision pour arrêter ce qui ne marche pas, on se plaint. Et lorsque maintenant quelqu'un peut enfin réagir promptement pour arrêter ce qui ne va pas, on se plaint. Non, arrêtons parfois de venir étaler en pleine télévision notre manque de reconnaissance envers ce qui est bien. C'est honteux pour notre pays où finalement nous sommes tous des messieurs, nous savons tout. On n'a jamais construit un pays dans les intrigues, très cher monsieur. C'est Séverin depuis B et Panda qui nous écrit. Bonsoir au plateau, je voulais dire à monsieur Awono, à défaut d'être un hibou, il est devenu une chouette. Sorry. C'est Christian Souga. Encore Souga. Il est devenu une chouette. La FECAFOOT a rompu le contrat avec l'équipementier. C'est prévu dans les contrats. Maintenant, que dit monsieur Awono sur l'affaire Glencore? Silence radio. Voilà ce qui concerne tous les Camerounais quand il s'agit de l'avenir de nos enfants. C'est Christian Souga du CAC qui nous écrit. Bonsoir à tous. Porte-parole de la FECAFOOT, Ernest Obama, avait dit en mars, Wano Sport ne respecte pas certaines clauses contractuelles. Pour exemple, dans le contrat, Wano Sport avait dit que la deuxième année, le bus sera livré. Et Ernest Obama avait dit, on a entamé le processus vers un problème de rupture. Je reste depuis Mimboman, qui dit donc que ça a été un peu amorcé depuis. Bonsoir, Rosalie, dites à M. Dongous de me contacter IB. Comment ça? C'est qui? Bon,
Je vais rechercher son numéro tout à l'heure. Il parle d'autre chose, vous aurez sûrement... Je vais vous en parler. Okay. Bonsoir, le plateau d'Info TV. Le juriste peut nous faire un petit résumé du contrat de corps sportif. Celui qui a signé le contrat avec le corps sportif n'a pas présenté ce contrat aux Camerounais. Et le corps sportif habillait les joueuses avec les choses semblables au Kaba. Mon Dieu. Bonsoir Miss Rosalie, très bonne thématique. Il est important de préciser que ce n'est pas la FECAFOOT qui se sépare de One Sport, c'est l'équipementier qui a décidé de partir, car ils sont victimes d'une escroquerie organisée par la FECAFOOT à travers l'entreprise Edimo, et qui avait l'exclusivité de la vente des produits One Sport et qui n'a jamais reversé l'argent à l'équipementier. On parle d'environ de plus de 1 milliard de francs. C'est parmi les échecs à répétition de Monsieur Eto, tant sur le plan technique qu'administratif. Le COMEX, en octobre 2023, après son assassinat, L'Assemblée générale nous avait fait savoir qu'ils ont autorisé M. Eto de débloquer 200 millions pour l'achat d'un bus. Où est le bus? Aujourd'hui, ce communiqué est une fuite en avant. Aïssi Biloa qui nous écrit depuis Douala ce soir. Vous êtes trop nombreux. Je ne peux pas sauver tout le monde. Hein. Vraiment, I'm sorry. Si je veux évoluer dans cette émission, on risque de finir l'émission avec l'affaire de Samuel Eto'o. Et là, ce n'est que des WhatsApp. Hein. Je n'ai même pas fait les un dixième. Salut, la FECAFOOT est-elle la seule discipline sportive du continent? C'est Bill Simpi depuis Dipita à Edea. Bonsoir, Rosa. La FECAFOOT a refusé de donner les maillots au Lyon. L'équipementier a réagi immédiatement. Voilà tout le problème. C'est prospère depuis Edea. Le président de la FECAFOOT fait le bon travail au pays, c'est pas signé. Bonsoir Eto'o ne sait pas ce qu'il cherche. Bonsoir, il faut un autre ministre des Sports. D'ailleurs, même le vote plus, on ne vote plus le RDPC depuis 15 ans. On nous promet le goudron Moura Kousseri. On souffle trop sur la roue de la Tori depuis Kousseri. Bonsoir le grand soir, vous parlez même du pasteur là, pourquoi? Depuis qu'il est présent, c'est seulement lui qu'on vise au 237. Nous les Camerounais, nous sommes formés sans emploi, que le pays investisse sur nous. Les jeunes, on veut changer les choses. C'est Junior. Bonsoir le plateau. Juste pour dire que les anti-Eto'o ont un problème de réflexion. Donc donner la grandeur au football camerounais se limite seulement à l'équipe nationale. Il parle de l'échec au sein de l'équipe nationale avant Eto'o. Cette équipe était meilleure. Avant l'arrivée d'Eto'o, ces derniers trophées datent de quand? Vraiment très dommage de voir les Camerounais détester leurs frères qui essayent de faire mieux. Qu'est-ce qui fait mal dans la résiliation? Qu'a-t-on vu de concret dans votre secteur du transport? Aaron, avez-vous un jour le thème d'un contrat de FECAFOOT un jour, Erlo? Depuis Zika, Rosalie, soyez sérieux et sérieux. Les contrats de fédération n'ont pas vocation à être publics. Point. One on Sport se sépare du RDPC. C'est de ça qu'il s'agit. Eto'o est un faux. Bonsoir Madame Rosalie, charmante dame, s'il vous plaît, enlevez les mots. Non. Ouais, je vais m'en sortir. Bonsoir au grand soir. Eto'o a dit lui-même que s'il n'était pas sûr que ce contrat n'était pas bon pour le Cameroun, il n'aurait pas signé. Pourquoi mettre seulement en tort sur cet équipementier? Eto'o doit aussi accepter que c'est un échec managérial de sa part, une fois de plus. Edmond depuis Mimboman Terminus. Puis-je demander une transition? Et on revient. C'est un peu chaud bouillant aujourd'hui, on peut comprendre, hein, lorsqu'on parle de sport, encore pire. De la Fédération Camerounaise de football, très souvent, ça va en vrille, mais on va essayer d'évoluer dans cette émission. C'est clair que cette affaire de contrat va encore faire couler beaucoup d'encre et de salive. On aura encore l'opportunité d'en parler, mais il y a une autre affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est Camerco. Hein, président? Oui. Camerco, depuis Matouzalem, nous traîne de problème en problème. Il y a une nouvelle menace de grève des pilotes de Camerco qui pèse sur la compagnie, notre étoile camerounaise, hein, qui manque donc d'éclat depuis plusieurs années, ça on l'avait tous noté. Et la dernière information, donc, c'est ce préavis de grève adressé par les pilotes de la compagnie aux autorités camerounaises. Oui. On en a déjà beaucoup eu, est-ce qu'on avait besoin encore de ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en effet, lorsque les travailleurs se sentent mal, ils ont le droit de manifester. Ouais. Et, n'est-ce pas, le Rubicon, quand ils ont franchi, c'est la grève. Ouais. C'est-à-dire, quand on n'a pas pu négocier en aval, ça aboutit forcément à la grève. Donc, s'ils ont transmis un mot d'ordre de grève à leur directeur général, c'est que forcément, il n'y a pas eu de négociation où ils se sont sentis pratiquement pris en compte. Mais il faut dire que la différence qu'il y a entre les pilotes, hein, d'avion là, et
les transporteurs routiers que nous sommes, c'est qu'ils sont dans les cieux et nous sommes, n'est-ce pas, au sol. Oui. Sinon, vous avez les mêmes problèmes. Sinon, on a pratiquement, pas les mêmes problèmes, mais il y a quand même que... Ils sont souvent très mieux traités, n'est-ce pas, mieux pris en compte que le secteur routier. Oui. C'est-à-dire qu'on investit sur eux pour qu'ils puissent faire moins d'accidents que sur les travailleurs routiers pour qu'ils fassent aussi moins d'accidents. Maintenant, ils posent un problème de salaire. Ils parlent d'harcèlement mental et psychologique des pilotes servis civils nationaux. Par refus manifeste de régulariser leur salaire illégalement réduit depuis 2021 en violation de leur contrat. Voilà, il parle de problème de salaire. Et quand on regarde quand même les conditions salariales des pilotes dans le monde, on sait quand même qu'ils ne sont pas les mal lotis quand même. Ça, quand on a dit pilote, a priori, on sait que c'est eux qui font un salaire relativement consistant. Maintenant, sauf à nous dire qu'au Cameroun, ils ont vraiment un salaire, n'est-ce pas, comparable aux transporteurs routiers. Ce que je ne pourrais pas croire. C'est même impossible, ils ne font pas les mêmes maintenant, études pour être pilote. Pour être pilote. Ils ne même pas comparer. Ils disent qu'en fait, ils ne doivent plus être payés, n'est-ce pas, en fonction des heures, mais en fonction du temps mis, n'est-ce pas, au lieu de travail. C'est-à-dire que, en fait, on devait leur payer selon leur rendement, c'est-à-dire que les heures pratiquement de voyage, et ils veulent bien qu'en plus des heures de voyage, qu'on tienne compte d'autres facteurs. Quand ils sont dans l'enceinte de Caméco, par exemple, il faut qu'on tienne compte, n'est-ce pas, de tout cela pour davantage arrondir leur fin de mois. De plus, ils disent qu'il y a parmi eux des pilotes militaires qui passent peut-être mieux traités. N'est-ce pas que eux, peut-être qu'ils sont des pilotes purs. Pourtant, les pilotes militaires sont aussi des pilotes purs, mais seulement, en plus d'être pilotes, ils sont militaires. Vous comprenez? C'est-à-dire que quel que soit le groupe par lequel on va prendre, même si les pilotes, qui aussi ont la même formation que les militaires, ont le même salaire, le fait qu'ils soient militaires en plus, forcément, il y a un ajout. Forcément, vous comprenez? Maintenant, pour finir, il pose un troisième problème. Sur l'espace qu'ils veulent voir, n'est-ce pas, l'entreprise, n'est-ce pas, avoir une vision futuriste, quoi. Avant ça, il parle de discrimination raciale au profit des pilotes expatriés qui sont mieux payés que ceux qui sont nationaux et pourtant ils font le même boulot. Très bien. Ça, je n'ai pas pris acte, n'est-ce pas, de voilà, cela. C'est pourquoi je vous l'ajoute, parce que le dernier, c'était la sortie. Tout à fait. Dire que, voilà, ils avaient besoin que les gens aient une vision et que Caméco traîne. Mais avant ça, ils trouvent qu'on paye mieux les expatriés qui font le même travail qu'eux. Ce qui n'est pas acceptable, parce qu'il me semble que la convention, n'est-ce pas, 102, n'est-ce pas, dit à travail égal, salaire égal, il n'est donc pas question qu'on puisse payer quelqu'un qui exerce le même emploi que moi, plus que moi, simplement sur le présence de la race. C'est interdit par les conventions internationales ratifiées par tous les pays du monde. La convention 102, la convention 111 sur la discrimination, la convention 102 sur les salaires, veut vraiment qu'il y ait un travail égal, salaire égal. Voilà. Donc, ils ont à ce niveau-là tout à fait raison. Mais eux aussi, ces pilotes-là, il faut qu'ils comprennent. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi, au niveau de la caméra, on a un syndicat de pilotes. Je ne comprends pas. Parce qu'il me semble que si les pilotes sont les mieux lotis à la caméra, ils veulent plutôt permettre que dans une structure comme celle-là, qu'ils puissent tirer, n'est-ce pas, les moins lotis qu'eux, à souvent avoir des avantages. Moi, je pense que si on avait plutôt un syndicat de travailleurs de la caméra, vous voyez donc que ça prouve les mécaniciens seraient là. On aurait pratiquement même les hôtesses de l'air seraient là. Donc, ces pilotes n'ont pas besoin de faire grève. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que j'aurais aimé que ce soit un syndicat des travailleurs de la caméra, de sorte que lorsque les pilotes posent un problème, que ça puisse permettre que l'amélioration des conditions de vie et de travail profite à tout le monde dans l'entreprise. Voyez-vous? Parce que les pilotes, ils sont assez élitistes, n'est-ce pas, pour poser les problèmes un peu qui les concerne, voyez-vous. Et tout le monde sait que la caméra, sincèrement au Cameroun, vole de restructuration en restructuration. C'est une entreprise vraiment qui n'est pas sur ses jambes, voyez-vous. Et il me semble que du point de vue syndical, on le revendique vraiment que quand on est conscient que mon patron a de quoi le payer. Maintenant, est-ce que la caméra
n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, des rentrées financières telles que les bénéfices soient probants. Parce que si on fait des revendications salariales, on tient aussi compte quand même des entrées de l'entreprise. Est-ce que la CAMEA fait des rentrées telles que cette période-là sont en droit, n'est-ce pas, de faire des revendications salariales? Mais non, si c'est des revendications du point de vue discriminatoire, moi je crois que je suis tout à fait d'accord avec eux, parce que à travail égal, salaire égal, il n'est pas question qu'on paye si celui-ci plus que celui-là. Président Dungus, lorsque l'on écrit, on écoute hein, le président Ndefo Soka, c'est mitigé. La réaction, d'une part, il est quand même d'accord sur certains points de leurs revendications, mais il n'est pas d'accord sur d'autres. Il les trouve aussi un peu égoïste dans le combat. Ils auraient pu quand même porter de façon globale le problème des travailleurs de Camerco, qui sont nombreux à souffrir d'ailleurs depuis quelques temps, parce que les pilotes, quand même, contrairement aux autres employés, sont un peu mieux lotis dans l'entreprise. Mais au finish, la réalité est que des meilleures conditions de travail, c'est bon pour tout le monde. Malheureusement, dans la situation des Camerco aujourd'hui, est-ce que cette zone de turbulence était nécessaire? Ces boules d'air étaient encore nécessaires, parce que déjà, il le dit, de restructuration à restructuration sans véritable décollage. Avec cet autre problème encore, c'est pour aboutir à quoi? Un enterrement? Moi, je crois que c'est chacun qui sait ce qu'il cherche. Lorsque chacun sort de chez soi le matin pour aller quelque part, il s'est dit quand même qu'en retour, il doit rentrer avec ne serait-ce que, petit que soit, quelque chose pour satisfaire sa famille. Le pilote, c'est comme tous les autres travailleurs, c'est comme les fonctionnaires, c'est comme les autres techniciens. Lui, il a une famille, il doit vraiment, c'est-à-dire, assumer sa responsabilité face à leurs besoins et autres et tout. Mais le mal de ce groupe de travailleurs qui demandent donc l'amélioration de leurs conditions, qui dénoncent donc la mauvaise manière ou alors façon de faire les choses avec ceux qui sont c'est-à-dire des étrangers et autres, moi je me dis qu'ils ne devraient pas, c'est-à-dire mélanger tous ces pédales, aller mais c'est-à-dire étape par étape. D'abord, poser le problème concernant leur traitement et tout ça, c'est-à-dire par rapport à la compagnie, et ensuite voir le problème des expatriés, c'est-à-dire sur d'autres langues. Vous savez que le Cameroun, l'Afrique d'abord et ensuite le Cameroun, ce sont c'est-à-dire que des cas qui ne sont pas extraordinaires pour nous autres. Nous savons que nous avons des ingénieurs ici, qui sont formés ici, mais qui n'ont pas le même traitement que les techniciens supérieurs, qui viennent d'ailleurs, juste pour le simple fait qu'il soit, c'est-à-dire qu'un expatrié, il est plus important que, c'est-à-dire, nos compatriotes. Je crois que le problème de la Camerco, c'est depuis Cameroun Online. Depuis cette chute-là, elle est verticale. Elle est verticale et actuellement, l'atterrissage est connu. Le pilote est mieux placé pour me dire comment on décolle, comment on atterrit. Ils sont maintenant, c'est-à-dire qu'au pied de Camerco, pour voir quel est le nouvel élan à prendre pour décoller. Sinon, franchement parlant, moi, l'affaire de Camerco, ça fait déjà longtemps. Je ne me mets pas toujours à l'écart. Ça, je suis Camerounais. Quand c'est un problème de Camerounais, il faut que je dise ce que je pense. Mais il y a des sociétés d'État, il y a des sociétés parapubliques, beaucoup de sociétés, c'est-à-dire camerounaises, qui ne m'intéressent même plus, parce que de tout ce que vous allez proposer pour l'amélioration des conditions des employés, ou bien pour que cette société soit réhabilitée, ou bien qu'elle décolle, pour que ça puisse bien marcher, personne ne prend... Vous avez l'impression que c'est une volonté manifeste de maintenir Camerco dans cette époque? La chute de certaines sociétés, c'est comparable à l'action, c'est-à-dire au progrès, en fait, à l'existence du Cameroun. Le Cameroun va comment? Si le Cameroun va mal, les autres aussi avec. Donc, tout ce que moi je peux demander à ces pilotes, c'est de s'abstenir, d'engager une démarche qui peut faire en sorte que... Parce que la société elle-même, la compagnie elle-même est mourante. Et l'agonissement cliniquement, c'est-à-dire agonissant.
On a besoin de crier sur un moribond pour dire que j'ai besoin de ta, que tu me parles ou que j'ai besoin que tu me regardes. Camerco ne va pas. Ça ne marche pas au sein de cette compagnie. Au lieu de demander que à ceux qui peuvent donc apporter leur soutien autre pour qu'on essaie de reprendre un peu même les services que les vols en interne. J'ai essayé de voir un peu les tarifs. C'est encore inquiétant. À l'époque, les choses marchaient encore bien. Je prenais l'avion de Yaoundé pour Marawa. Aller-retour était à 200 et 200 000, c'était un peu fort. Maintenant, vous êtes revenu à 140 000, 900 francs. Yaoundé, Marwa, aller-retour, 140 000, 900 francs. Moi, je me dis que la chute nous s'est apportée de là d'abord, puisque il faut que la société produise, pour que ceux qui travaillent bénéficient vraiment de fruits. C'est le principe du business. Du business. Voilà. Maintenant que le prix de 200 boussières de 1000 en aller-retour Yaoundé Marwa, ça chute jusqu'à 140 900 francs. J'étais en train de revoir, j'ai dit que mais je prends mon temps, moi encore, je prends encore mon temps à prendre même le transport de Yaoundé par voie terrestre. J'ai fait 3 jours, 4 jours avant d'arriver à l'extrême nord. Donc si c'était que 140 000 francs, mais voilà, eux-mêmes, pendant que j'avais de faire mes calculs par rapport à ce que ce rendement est plutôt plus bénéfique aux clients, voilà nous sommes devant une situation où même les employés, c'est blême, qu'ils sont maltraités. Donc c'est le peuple de Camerounais. On ne peut pas initier quelque chose au Cameroun et que ça puisse finir bien parce que les étrangers nous écoutent, ils nous voient. C'est pas bien d'essayer qu'un Camerounais tienne ce genre de propos. Mais c'est légitime parce que ça vient à répétition. À gauche, c'est le même. Donc les pilotes n'ont plus besoin de faire grève parce que Kamako est déjà amorti. Je me souviens tout simplement comme à l'entente de mon propos, moi j'ai dit que ce sont des bêtes de famille comme tous les autres, qu'ils prennent leur mal en patience, qu'ils entreprennent dans une négociation qui peut donc aboutir à un résultat un peu concret. Parce que s'ils disent qu'ils grèvent vraiment pendant que la société elle-même est critiquement agonisante, moi, je me dis que c'est une façon d'envoyer le cadavre, c'est-à-dire qu'on se mettait étant avec une bouche parlante, il lisait bien de l'argent. Jacques Léon Sawano, la Camerco agonisante, mais avec les yeux ouverts, la bouche qui parle, comme il le dit le président Dungus, n'a pas besoin de cet autre problème. Et il invite les pilotes à se calmer un tout petit peu, même s'ils ont le droit de demander les meilleures conditions de vie. Mais ça viendra d'où? Lorsque l'appareil est déjà, la machine est déjà grippée, où est-ce qu'ils auront l'argent pour résoudre toutes leurs demandes? Pour lui, c'est pas le moment, c'était pas utile. Oui, la situation de la CAMEP est préoccupante. Moi, on ne peut pas demander aux employés de ne pas réclamer ce qu'il leur est dû. C'est de leur droit. De revendiquer les meilleures conditions de travail. Ça, on ne peut pas leur empêcher de le faire. Il est juste question de comprendre la situation de la CAMER. C'est vrai, la CAMER est mourante. Si elle ne meurt même pas, c'est parce que les gens essayent encore de démontrer que le Cameroun peut encore avoir une flotte. Et pourtant, la CAMER n'a rien qui puisse nous démontrer que c'est une compagnie aérienne, c'est une compagnie terrestre où tout le monde vole sauf les avions. Là-bas, vraiment, tout le monde vole sauf les avions. Vraiment, voilà pourquoi on peut avoir des DG qui sont en prison actuellement, parce que tout le monde vole là-bas sauf les avions. Donc, ça n'a rien à voir avec une compagnie aérienne, c'est une compagnie terrestre. Et là, il faut remonter, c'est une question de gouvernance, parce qu'en réalité, après les ajustements structurels qu'a connu le Cameroun, ils nous ont vanté, ils sont venus avec un mot poli là, la privatisation. Et pourtant, dans les faits, c'était une liquidation. Parce qu'en réalité, la privatisation, c'était une sorte de liquidation pour les bailleurs de fonds qui demandaient au Cameroun de rembourser l'argent qu'ils n'avaient pas pu rembourser. Alors, en ce moment, les bailleurs de fonds sont un peu comme l'issue de justice. C'est-à-dire que lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un et qu'on vous demande de payer l'argent,
Alors l'huissier arrive sur vous, il vient saisir vos biens en fonction de la somme que vous devez à la personne. C'est comme ça que les bailleurs de fonds sont arrivés. Ils ont donc dit au Cameroun, puisque vous n'avez pas pu rembourser vos dettes, alors il faut bien que vous nous vendiez ce que vous avez pour que vous puissiez rembourser. Voilà pourquoi donc les grosses entreprises d'État à l'époque ont connu ce qu'ils ont appelé la privatisation, c'était une liquidation. Voilà pourquoi, sur le plan structurel, ces grosses entreprises ne peuvent plus fonctionner. C'est vraiment, on fait juste de l'habillage, on fait du vernissage, on essaie de mettre un peu de vernis, mais dans le fond, c'est des grosses entreprises d'État qui ne peuvent plus fonctionner normalement, qui sont devenues presque improductives. Voilà pourquoi certains sont des gouffres à sous, où l'État fait l'effort d'injecter des sous tout le temps, mais dans le fond, rien n'est produit. C'est le cas de la Camer. Donc peut-être les employés, ils ont raison de se plaindre, mais dans le fond, le problème de la Camer n'est pas à ce niveau, n'est pas vraiment des meilleures conditions de travail des employés. Ouais. Mais le problème de la Camer structurelle, c'est un problème de fond, parce que la Camer n'est plus en même de fonctionner comme elle avait fonctionné à l'époque. Le Cameroun était connu grâce à sa flotte. Ouais. Quand c'était la Camer, là on connaissait le Cameroun, l'étoile du Cameroun. Mais aujourd'hui, cette étoile n'arrive plus à voler, parce que l'étoile a été vidée de sa substance, et l'étoile est restée vide. Voilà pourquoi les employés aujourd'hui peuvent se plaindre, mais dans le fond, c'est un problème structurel qui ne peut plus être résolu par le meilleur traitement salarial ou le meilleur traitement des employés. Ouais. Donc en fait, pour lui, Jean-Claude Lemdio, le problème de la Camerco, ce n'est pas un problème des employés. C'est un problème de ressusciter la Camerco. Et si on ne peut pas la ressusciter, aucun employé n'aura tout ce qu'ils sont en train de demander. C'est une perte de temps. Si on vous dit que quelqu'un est agonisant et puis vous venez lui dire de payer des dettes, il ira travailler comment pour venir vous payer? Je pense que c'est à peu près l'image qu'il a essayé de présenter Jacques Léon ce soir. Donc pour les pilotes, c'est du bruit pour rien, parce qu'on ne peut même pas leur donner ce qu'ils sont en train de demander, parce qu'il n'y a même pas d'IA pour que la Camerco puisse décoller. C'est cette perception de la chose au Cameroun qui vient comme ça bloquer la structuration et l'émergence de ce pays. Dites-nous. Vous dites que il faut ressusciter la compagnie. C'est la compagnie qui a lancé un mot d'ordre de grève. C'est les pilotes. C'est les employés de cette compagnie. Et s'ils lancent un mot d'ordre de grève, vous avez donné la dette. Et c'était depuis quelle année là? Vous avez donné la dette, qui réclame le traitement les améliorations sur leur salaire. Est-ce que c'est la Camerco seule qui réclame les améliorations sur le salaire dans ce pays? Alors, s'ils le réclament, ça veut dire qu'ils travaillent dans la compagnie, ils savent que la compagnie génère des fonds. Il y a de l'argent. J'ai accompagné ma fille l'autre jour qui voyage. Il y a la flotte chaque jour. Il y a, même si le Cameroun n'a pas d'avion, mais il y a les compagnies privées qui ont des avions dans nos flottes chaque jour, qui travaillent régulièrement. Ça veut dire qu'il y a des rentrées d'argent, mais ils constatent ça. On ne veut pas améliorer leur pays. Et c'est très dangereux. Ne pas payer un pilote, c'est comme vous refusez de payer le médecin ou un enseignant. Vous ne payez pas un médecin, ils vont faire ce que vous voyez dans les hôpitaux, ou le vol de bébés, ou les tueries en masse, ou les assassinats, les fautes professionnelles, à l'école, les enseignants qui vont faire que le taux de bac soit dégringolé, comme on découvre, parce qu'ils réclament leur traitement. Donc, il y a les priorités dans un pays. C'est la mal-gouvernance. La seule chose que j'ai retenue de ce qu'il a dit, c'est que il y a le problème de gouvernance. Le Cameroun est très mal gouverné depuis des décennies. Il faut le voir, il faut que certaines personnes abandonnent. On injecte l'argent à cette compagnie de chaque année. Mais quand vous allez à l'aéroport, vous trouvez, on a recruté des enfants de ces messieurs-là qui sont là-bas, qui n'ont pas de niveau, qui sont à des postes et qui touchent les 400 000, les 500 000 par mois. Ils n'ont pas de diplôme. Alors la Cameco, depuis l'entrée là, vous allez voir les gens en camouflage, là on vous oriente même vers le portail payant. Ils sont là, celui qui colle seulement, même si le colleur, c'est-à-dire que le réceptionniste, le colleur, les bagages, tout ça c'est les enfants des grands là. Chaque poste là-bas, c'est leurs enfants. La femme ne peut pas travailler à l'aéroport.
Et ils sont là. Mais et on les met là parce qu'on doit les payer. Alors, on ne peut pas fonctionner dans un pays comme ça. On ne peut pas. C'est parce qu'il faut que l'État prenne ses engagements. Et quand nous disons l'État, nous savons que l'État a failli. Ce n'est pas aujourd'hui que l'État... Il faut un changement radical dans nos institutions. Nous parlons comme ça, nos dirigeants comprennent. Il faut apprendre à démissionner. À certain âge, vous ne pouvez plus travailler. Quand vous forcez, vous pouvez toujours rester là. Le peu de succès que vous aviez est réalisé pendant vos périodes de vigueur deviennent, ça se transforme en haine. C'est-à-dire les gens vous détestent, vous partez avec des casseroles. Vous créez plus d'ennuis que de partir au moment où vous aviez posé des actes. Il faut savoir libérer les choses. Il faut savoir libérer les choses et céder la place aux plus vigoureux, plus intelligents, aux plus méritants qui peuvent apporter une traçabilité sur les choses. Aujourd'hui, tout est bloqué, toutes les machines. Mais ce n'est pas seulement le... Ils sont même bien payés. Et ils ont parlé du tribalisme, là. Du racisme. Ça veut dire que quand vous voyez le blanc, on paye le blanc, hein, pendant qu'on paye le 1 million au blanc, on paye 500 000 au noir. Pourtant, c'est le noir même qui fait le bon travail. On va parler des militaires qui toucheraient mieux que les autres. Et c'est des faveurs qu'on a apportées dans ce pays. Vous voyez le favoritisme partout. On a même baissé le salaire de certaines personnes dans ce pays, vous savez. Ce n'est pas moi qui le dis. Non, la dévaluation n'est jamais passée chez eux. Mais pourtant, les autres ont subi les baisses drastiques du salaire, la dévaluation et tout. Parce que chacun a peur de la mort. Hein? Chacun a peur de la mort. C'est pour ça qu'ils sont là, ils revendiquent, mais ils constatent qu'à côté de lui, il a le même collègue qui touche mieux, mille fois que lui. Pourtant, ils font... Donc, vous, la revendication est normale. C'est très normal. Personne ne peut vivre affamé. Personne ne peut travailler sans être rémunéré. Mais ils sont même mieux payés. Je crois que, comme le président le disait, s'ils ne revendiquent que les améliorations de leur salaire, il faut qu'ils sachent qu'il y a certains fonctionnaires au Cameroun qui n'ont même pas de salaire, qui ne touchent même pas la moitié de ce qu'ils ont. Il faut déjà que les gens aient même ce qu'ils ont pour aussi. Il faut qu'ils comprennent aussi que le minimum là, qu'ils sont dans une compagnie qui ne fonctionne même pas bien. Qui n'a qu'à sa tête, il n'y a que les bandits qui succèdent là-bas. Et il faut vraiment. Il faut un contrôle. Il faut même fermer cette compagnie. D'accord. Parce que c'est une compagnie qui doit disparaître et privatiser même. Quand avant, on avait Cameroun, ça fonctionnait, on avait des avions. À l'époque, je t'ai dit que tout ceci, c'est depuis qu'on a apporté l'avènement de la démocratie. On a de tout dans ce pays. Où on a privatisé, cette histoire de privatisation, c'était du bluff où les Camerounais mettaient les expatriés devant pour essayer de racheter les entreprises camerounaises et les gérer. On croit que c'est les blancs qui viennent, l'ASNL, tout ça. J'ai dit que il faut revoir. Le Cameroun n'aime pas, les Camerounais n'aiment pas leur pays. D'accord. Maï, votre regard sur la situation qui s'annonce plutôt tumultueuse du côté de Camerco. Vous savez que la Camerco, qu'on l'appelle aujourd'hui, ces problèmes ne datent pas d'hier. Et les problèmes de la Camerco, ce n'est pas les mauvais gestionnaires. Le problème de la Camerco, c'est l'État du Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer quelle est l'ardoise que l'ardoise des impayés de l'État dans les factures de la Camer, même quand c'était la Camer simple. Jusqu'à aujourd'hui, tous ces ministères, toutes ces directions générales des grandes structures de l'État ont des budgets qui prévoient qu'ils doivent payer les billets d'avion à leur personnel. Mais ils commandent les billets d'avion et les budgets qui sont destinés à ce que ça soit réglé sont détournés. Nous sommes en pleine entourloupe. Nous sommes dans une gouvernance d'embuscade. Des bandits. L'État a tendu les embuscades à la Camerco. N'est-ce pas? Ils ont pris de l'argent de la Camerco. Ils ne devaient pas payer. Du coup, la Camerco se retrouve en cessation de paiement. De sorte qu'ils ne peuvent pas honorer leurs engagements contractuels vis-à-vis de leur personnel. Et moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que les pilotes militaires s'en vont faire dans les cockpits des avions privés? Ils ont un détachement. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
L'armée de l'air du Cameroun devait être équipée de jets, d'avions suffisamment performants pour pouvoir occuper les pilotes militaires. Non, parce que si les... en grève, on pense non, que non, les militaires... Non, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. On ne tue pas, on n'est pas à l'aide de Fongivé. On n'est pas à l'aide de Fongivé, ou quand les taximens sont en grève, on envoie les policiers conduire les taxis et tout pour essayer de briser la grève. Voilà. Nous sommes quand même dans un pays où les gens sont civilisés. Nous avons perdu quand même les meilleurs d'entre nous, les gars comme les Oussende Afana, des jeunes garçons qui ont donné leur tête. Pourquoi le Cameroun ne soit pas confiné dans des gouvernances de clochers telles que les ADPC nous en sert comme ça? Dites à ces messieurs qui sont dépassés, ils ne peuvent plus continuer. D'accord? Il y a que la caméra même, c'est quelle destination? Vous allez attendre la caméra va vous emmener à Bangkok. Voilà. La caméra va vous emmener à Melbourne en Australie. La caméra va vous amener au Cap en Afrique du Sud. Non. Les gens, ces gens nous ont ramené le Cameroun en bas. Ils ont versé le Cameroun dans les égouts. Ainsi, ils ne peuvent plus continuer à faire fonctionner la caméra. Mais tout le monde sait au directeur général. Voilà. Général Espèce. Si vous dites aujourd'hui que vous vendez, mettez Camerco en vente, Général Espèce va acheter tout. Et il est capable de acheter des avions. Voilà. Arrivez, traversez un peu la frontière, allez sur le Nigeria. Vous allez voir des compagnies privées avec 27 jets, voilà. Des Dreamliners, pas n'importe quoi. Il y a des gars d'Amine qui sont capables de vous acheter ça. Après, on va dire que je viens faire la propagande de Kamto. Voilà. Je suis ambassadeur en attendant. Hein? Donnez ça aux gars qui peuvent faire le travail. C'est pour le nom du Cameroun. Mais j'ai dit, donnez ça au directeur général de Général Express, il va vous acheter la caméra et il va vous mettre demain matin, il va vous mettre 10 avions alignés là, avec des rendements qui vous font à ce que vous avez des destinations comme Addis Abeba, le Caire en Égypte, vous avez des destinations telles que Douala et tout. Le Cameroun sera servi. Hein? Et puis ils vont amener des partenaires qui vont acheter d'autres avions. Si on ne peut plus, qu'on abandonne. Il faut avoir le courage de résilier les contrats. D'accord. Les Camerounais ne sont pas dans la logique de résiliation de contrat, voilà. On a dit qu'on a échoué. Voilà. Je dis pour sortir de ce sujet que l'État doit énormément de milliards à la Camerco. Il faut que l'État paye la Camerco pour que la Camerco puisse avoir les moyens de servir son personnel. Quel État? D'accord. Hein? L'État du Cameroun, non? Oh là là. L'État de la madame, les autres compagnies africaines évoluent, Air Ivoire, Air Sénégal, Rwanda Airways, etc. Est-ce que vous pouvez me dire depuis belle lurette combien d'avions Cameco a acheté? Pourquoi on n'ouvre pas cette compagnie à la privatisation? Comment on peut continuer comme cela? Bonsoir, Cameco est du RDPC. Vous êtes grave, hein? Donc, Cameco est un parti politique. Voilà donc un sujet qui concerne réellement la vie du pays. Que les anti-étaux débattent donc et donnent des solutions pour Cameco. Que le président et le juriste sur votre plateau critiquent dont le gouvernement et le DG de Cameco, parce que c'est une honte pour la compagnie nationale. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir, madame. Vous allez entendre le scandale dans tous les secteurs au Cameroun. Je crois que c'est le début seulement. Bonaventure depuis Kayeli. Bonsoir, le panel. Je voudrais poser la question à votre juriste et aux syndicalistes. Depuis que la Cameco va dégringolante, la faute aux lettrés ou aux illettrés, pour faire allusion à la gestion de la FECAFOOT, comme ils disent que c'est celui qui gère, confond le ballon à la gestion. Pierre, depuis Balmayo, je vois que Itofis là va vous rester à la gauche. Hein. Ouah, Camercon, hier le fleuron de la navigation aérienne, au fil des années est devenu moribond de par son management à l'image d'une épicerie familiale. Quand vous allez en Éthiopie, vous êtes émerveillé du nombre d'avions avec un professionnalisme et des conditions de travail différemment de chez nous, où l'on va dans des fonds de village chercher les membres de la famille devenus anciens chasseurs et vigneurs de Matango. Pour quelle performance? La dernière fois, moins de 2 mois, mon fiston allait à Douala et le vol prévu à 16h était obligé de décoller vers 18h. Vous allez tempêter à vos risques et périls pour un AVC. Quelle a été ma déception dans cet aéroport de voir un environnement insalubre comme mon Fundi Market? C'est Masok Thomas
qui nous écrit ce soir. Aucun pilote militaire, même plus qualifié que les civils, ne gagne 3 millions de francs CFA. Pourquoi il devrait gagner 3 millions? Ils ont moins que 3 millions. Pourquoi il devrait gagner non, là, 3 millions de francs CFA? Bonsoir à tout le plateau. Non. Vous avez confondu les télés, il n'y a pas de boubou orange sur mon plateau. C'est ça, le boubou orange. Non, ce n'est pas orange. Mais laissez-moi vous lire. Parce que pas. Non, même défaut là par le boubou orange. Pourquoi tu dis défaut? C'est en costume. Donc, après, les gens gagnent encore 3 millions dans ce pays. Merci à vous, Cinq. Merci à toi, Président. Le troisième sujet reviendra demain. Samuel et Thomas occupés toute la soirée. Merci, Jean-Colès de Foussoka. Merci à Jacques Léonce Awono. Au Président Dungus Fouladambadi qui était avec nous ce soir. À Jean-Claude Lemdjo Kenvo qui revient en muscle pour mon estomac et mon cerveau. Et merci à Maï Maï qui était également là ce soir. Ismaël était derrière les caméras comme à l'habituel. Anissé Noumo a mixé cette émission. Ce sera un bonheur de vous retrouver demain lorsqu'il sera 17h. Je rappelle à toute fin utile qu'à 19h, Lenis Ndiaye va s'installer pour le journal en anglais et Karine Okomon viendra vous servir le même menu lorsqu'il sera exactement 20h en langue de Molière cette fois-là. Respect, monsieur Donivan. Sortez couverts. À demain, 17h.